Amen. Let's bow our head for prayer. God Almighty, we thank you again for another day and another time in your presence. As we just sung here, all we want to do, we just want to praise your name, want to lift your name on high, because he deserves glory and honor. There is no other name that has been given to men by which they shall be saved, but the name of our Lord Jesus Christ. So we thank you, God, for your love and mercies. As we come the way we are, knowing that there's no better thing we can do if not surrounding ourselves. So we pray that you will forgive us for our sins and trespassing. As we come to you this afternoon, we pray that your blessing will fall on us, O Lord. Bless your people wherever they are, live streaming and here. We just pray that you will come and express yourself to us through your servant. Open our heart to receive something from you, Lord, that when we leave this place, we shall not be the same people as we came in. Bless this song of Zion, Lord. Bless your people. Bless the offering and tithes. May all that will be done here, may it be done for your glory. And because there is no other person that deserves honor or glory but you, God Almighty. We also thank you for giving an additional year to Brother Prince. We pray that you bless him and open the doors of blessing for him and show him your will in his life so that he can see your mighty hands in his life. So we also pray that you will bless the word in our soul as we are getting ready to receive something from above. Thank you for anything else we have not asked for, because we don't have words. Sometimes we don't know what we need, but may you just grant to us according to their riches and their love. As we pray and ask all these blessings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you. You might be seated at this time. Let's just sing a happy birthday to Brother Prince as he comes to you. Happy birthday. Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus bless you. Je suis très content d'être au milieu de vous ce matin. I'm so happy to be among you this afternoon. J'ai un chant et deux témoignages. I have a song and then I have two testimonies. Je vais commencer par deux témoignages. So I'll start with the testimonies. Et pour finir par le chant. Then I'll sing later. Frère Branham dit, Branham says, plus vous témoignez, the more you testify, plus Dieu ajoute les témoignages. More God adds the testimony. C'est pour cela dans mon cœur. That's why in my heart, j'aime témoigner. I love testifying. Parce qu'il y a l'écriture qui dit, because there's a scripture that says, plus tu témoignes, more you testify, plus Dieu ajoute. More God adds unto it. La Bible dit, the Bible says, il y avait 10 lépreux. There were 10 lepers. Ils étaient atteints de la lèpre.
They were sick and sachant que Jésus devait passer dans la ville, knowing that Jesus had to pass by the city, ils allèrent vers Jésus. So they went to Jesus. Maître, nous voulons la guérison. The master, we need our healing. Jésus leur dit, Jesus said, allez-y vous présenter au sacrificateur. Go and go to see the priest. Il n'a pas prié pour eux. He didn't pray for them. Il a dit, allez-y seulement vous présenter au sacrificateur. So go and present yourself to the priest. Chemin faisant, as they were going, alors qu'ils étaient en train d'aller se présenter auprès des sacrificateurs, as they were going to the priest, la Bible dit, the Bible says, ils furent guéris. They were healed. Et l'un des lépreux, and one of the lepers, revint vers Jésus. He came back to Jesus. Il revint pour lui dire merci Seigneur, then he came to say, thank you, Lord, pour la guérison que tu m'as accordée. For the healing that you have given me. Jésus pose la question. And Jesus asked a question. N'était-il pas au nombre de 10? We're not here in the number 10. Ne sont-ils pas tous guéris? Comment il n'y a qu'un seul qui vient me dire merci? How come only one? Frère, quand je lisais cette écriture, when I read that, j'ai compris que Dieu aime lorsqu'on le remercie dans les moindres des choses. So I understood that God loves when you thank him. Choses que les chrétiens ne font pas. Things that Christians don't do. Raison pour laquelle je vais témoigner. That's why I want to testify. Mon premier témoignage. My first. C'est la carte de santé canadienne. It's the health, Canadian health card or Manitoba health card. Le gouvernement du Canada avait voté une loi en 2014. In 2014, the government voted. Que les étudiants internationaux ne peuvent plus bénéficier de la carte de santé. That an international student could not get that health card. Je ne sais pas si c'est Manitoba, mais on m'a dit ça à l'école par notre coordinatrice. I don't know if it's Manitoba, but I was told at school. C'est ce qui fait que les étudiants internationaux payent l'assurance chaque année. That's why international students pay insurance every year. Moi, quand j'arrive en 2018. And then I got here in 2018. J'ai discuté avec notre coordonnatrice Robin. So I was talking about it with my coordinator Robin. Elle m'a dit, Robin, and she said, c'est pas possible que tu l'aies, mais on ne sait jamais, va à Manitoba Health. She said, it is not possible that you can get that card, but you will never know, you can go to the Manitoba Health. J'ai pris tous mes documents. Then I took my stuff. Je suis allé à Manitoba Santé, Manitoba Health. Then I went to Manitoba Health. J'arrive là-bas, c'est une dame qui me reçoit. Then I got there, a lady received me. Avec mon petit anglais que j'ai là, with my small English that I have, je me poumonnais de le faire comprendre que est-ce que c'est possible que je puisse bénéficier d'avoir la carte de santé canadienne. So I was trying my best to explain her that can I have the health card. Elle me répète ce que me dit Robin. And then she just told me what Robin non, told monsieur, me. He said, no, sir. Parce qu'en 2014, les étudiants n'ont plus le droit. Because in 2014, students don't have alors, a right. Alors, il y a une dame, une blanche qui passait. And there's another lady that was passing, a white lady. Elle est en train d'écouter notre conversation. And then she heard our conversation. Elle a dit, mais puisqu'il est arrivé, sorry, puisqu'il est arrivé ici à Manitoba Health, because he has come here, sachant qu'il ne peut pas l'avoir, knowing that he cannot have it, seulement ses documents d'immigration, just get his immigration on va paper, juste photocopier, on envoie ça. We're going to photocopy and send si on lui donne, gloire à Dieu. If they give to him, glory to God. Sachant que la loi a dit qu'aucun étudiant ne va l'avoir. Knowing that the law says no student could have it. Ce ne sera pas possible. It won't be possible. Monsieur, où sont tes documents? Then he said, where are your papers? Permis d'études, permis de travail. So ceci. I gave. I gave all my papers. Il me dit bon, vous pouvez entrer. Then he asked me, you can go. Je suis rentré chez moi. I went back home. Deux semaines après. 2 weeks after. Je vous par la poste. I went to the post office. La carte de santé canadienne arrive chez moi. The health card came to me. Écrit sur mon nom, Prince Randy Debeyal Tungula. It was my name exactly. En matière de santé. On health. Toi qui as la nationalité ou résident. You that have citizenship. We are the same. On est pareil. We are just the same. J'ai un docteur personnel. I have a personal doctor. Quand je vais à l'hôpital, when I go to, c'est le gouvernement qui paye pour moi. The government pays for me. Mes amis me demandent à l'école, mais frère Randy, tu fais comment? My friend asked je me, dis, oh, frère, how c'est do? La grâce de Dieu. Oh, I say, it is God's grace. Là où c'est impossible. Where it is impossible. Vous dites que Abraham a fait 25 ans. You say Abraham did oh, 25 Dieu years. Avait seulement fait autant d'Abraham. Oh, God did Dieu in en train Abraham de faire time, aussi aujourd'hui. God is doing today. Dans la vie d'un enfant. In the life of his il lui a accordé la carte de santé canadienne. He gave him a health card, a Manitoba health card. Ils m'ont appelé à peine un mois. After a month, they called me. Ils m'ont dit, Monsieur Ngula, you say, Miss Ngula, tu es arrivé au terme de tes études. You have reached the j'ai end dit, of oui, your oui, school. Oui, je vais graduer en octobre. He said, yes, I'm going to graduate quand tu vas in appliquer October. Pour le work permit, when you apply for work permit, ils vont t'accorder pour 3 ans et demi. They will give you for 3 years and a half. Tu reviens encore vers chez nous. Then you come back to on us. On va prolonger ta carte de santé. We're going to extend your j'étais health card. J'étais à la maison, j'ai dit, oh Dieu. I was at home, I said, oh my God. Que ton nom soit béni. May your name be blessed. J'ai dit, oh Dieu. I said, oh God. Béni sois-tu, Seigneur.
Maybe you parce que là où c'est impossible, because where it is impossible, là où vous pensez que Dieu ne peut pas agir, when you believe that God de la can même do manière, it. Les gens croient que la femme de Sarah, Abraham, ne devait pas avoir un enfant. The same time, people believe that Sarah couldn't have a child. Il vient de le faire dans ma vie. The same God did in my life. La loi votée qu'on ne pouvait pas avoir, hein, les étudiants internationaux. The law voted that student, international students could not have that card. It's to tell you que le Canadien, the Canadian, j'ai la carte de santé comme vous. I have a health card like you. On est pareil. We are the same. Ça, c'est le premier témoignage. That is the first one. Allons au deuxième. Second one. Le deuxième. The second one. J'étais à la maison en train de discuter avec Boro Caleb Francis. On était, je pense, à la veille de frère Cal Francis. We were at home, like talking about the thing with brother Francis. Nous étions en train de parler au sujet de je veux acheter une voiture parce que je suis à la fin, j'aimerais avoir une voiture. We were talking about, I was saying I want to buy a car because I'm at the end, et I would need pensée, a car. J'ai deux voitures en tête. And in my thought, il y a I la have Malibu, two cars. There's a Malibu et la Hyundai. Et la Hyundai. Alors quand j'ai vu le prix, c'était un peu trop. When I saw the price, it was a little bit higher. Frère Francis m'a dit, juste le travail, on va prendre ça à crédit, frère. C'est trop easy. Brother Francis said, you can just get a job and then we will have a credit. Un autre frère me dit, non, frère. Another brother said, quand tu prends à crédit, c'est vrai que tu es en train de bâtir ton histoire au Canada. Hein? It's good if you take a credit, you're building your history. Mais c'est toujours mieux que si tu as un petit dépôt. But it's better if you have a deposit. Ça permet que ça diminue tes intérêts au lieu de payer ça à long terme pendant assez des années. So it will help you to reduce your interest payment. Je suis rentré à la maison. Then I went back home. J'ai dit, ok, d'accord. C'est ok, that's fine. Deux mois, trois mois après. Two or three months later. J'étais à la maison. I was at home. En train de faire mon cours d'anglais. I was taking my English course. Un frère m'appelle. A brother called me. Il m'avait pas eu au téléphone ce jour-là parce que j'étais concentré dans mes examens. He didn't get me on the phone because I was on my exam. Le deuxième ou le troisième jour, il m'appelle, il m'a pu m'avoir. I think the second or third day he called me and he could il get me. Il m'a dit frère, mais j'étais appelé, j'étais pas eu au téléphone. So brother, I called you but I didn't get you on j'ai the phone. Dit, excuse-moi, j'avais eu beaucoup d'appels, j'ai rappelé les autres, mais toi, je t'avais oublié. Yeah, I'm sorry, I couldn't call you. And ce frère me dit, frère, the brother told me, j'ai pensé à toi. I was thinking about you. Je vais t'offrir une voiture. I'm going to give you a car. J'ai dit, frère, tu peux répéter ce que tu as dit? Can you repeat what you said? Il dit, frère, the brother, j'ai pensé à toi. I thought about tu es arrivé à la you. Fin de tes études. You have reached the end of your school. Tu vas commencer ta vie professionnelle. You're going to start your professional life. Au lieu que tu empruntes les bus. Instead of you getting a bus. Je vais t'offrir ma voiture. I'm going to give you my car. Je me suis souvenu. Then I remembered. Que quand j'étais arrivé ici en décembre 2018. When I got in December 2018. Ce jour que j'avais envie de manger la pizza. The day I want to eat the pizza. Alors que je partais à la maison. As I was going home. Je voulais manger la pizza. I want to eat pizza. J'avais la carte au lieu d'aller acheter, mais je voulais. I had a card quand instead of paying, maison, but when I get home, j'ai dit, je veux manger la pizza. I told Joseph, I want to eat Joseph the pizza. Joseph me dit, mais allons, on va payer. Joseph said, let's j'ai go dit, and pay. Je veux manger la pizza. But I want to eat the pizza. Le petit me dit, oh, mais maman, depuis la journée, en train de faire la pizza. But since the morning, la voix m'a dit, mom is doing pizza, and the voice told me, Randy. Randy, même les désirs de ton cœur, even the desire of your heart, je te l'accorde. I give it to you. Même les désirs de ton cœur, even the desire of your heart, je veux te le donner. I'm going to give it to you. Sois patient. Be patient. Sois patient. Be patient. Tout ce que j'ai retenu de ce que frère Samuel avait prêché ici. What I got from quand what Dieu a dit friend, que le monde Samuel preached here. When God say maybe. Frère Branham dit cela après des millions d'années. Maybe light it frère, took. Millions of years. Je disais, oh Dieu, when I was there, I was alone. Je serai patient. I'm going to be patient. Parce que je sais qu'avec ma foi que j'ai, because with the faith je vais that emmener I beaucoup de choses. I'm going to bring mais so many ça, things. But il faut for que this, je sois patient. I have to be patient. C'est ça les deux témoignages que je voulais vous donner. These are the two testimonies I want to share frères with you. Brothers and sisters, soyez patient. Be patient. Vous demandez aujourd'hui. You ask today. Patientez. Be patient. Je n'ai pas prié pour avoir la voiture. I didn't pray to have the car. J'ai juste pensé. I thought. Dieu au ciel. God in heaven. Connaissant le désir de son fils. Knowing the desire of his son. Connaissant le désir de son serviteur. Knowing the desire of his servant. Il est allé toucher un frère. He touched a brother. Toi frère. You brother. Va vers ce frère. Go toward the brother. Ta voiture. And give to him your car. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Bon, on n'a pas répété le chant. Vous allez me suivre comme ça. Je ne sais pas si je vais dégamer, hein, mais ça va aller comme ça. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est à... Oh oui, je redis.
dirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour dans ma misère, la plus amère dans ma misère, j'ai fait plonger, oh, je le dirai toujours le Seigneur. Thank you, Jesus. Can you clap for the Lord again? Yeah, hallelujah. Blessed be his holy name. God is real, and we want him to be real in our life. And
we just said as say that what he has done for Brother Prince, he can do for you and me. But it takes we have to take a stand. You have to believe. You don't have to think too much. But God has asked us to believe. Amen. So I'm so happy. I think you are for what God has done. Let's sing Redeemed. So happy to be back in the house of the Lord. Très heureux d'être de retour dans la maison du Seigneur. And to see you all. Et de vous voir tous. And we really welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Seigneur Jésus Christ. As you know, I was not here last Sunday. Comme vous savez, je n'étais pas ici le dimanche dernier. Pastor Vividila had asked me to represent him for Brother Damson and his family in law. Le frère pasteur Vivid m'avait demandé de pouvoir le représenter avec dans la famille, la belle famille de son fils. So I had to travel to Calgary. Alors je devais aller à Calgary. And I
Everything went well. I preached for Brother Barry Johnson in Calgary. Tout s'est bien passé. J'ai prêché pour les frères Barry Johnson. And the Lord has been with us. People were happy and they enjoyed the word. Le Seigneur était avec nous et les gens se sont réjouis de la parole. And last week was a kind of a week off for me, but I was very tired. La semaine dernière, c'était une semaine comme un congé, mais pour moi, j'étais très fatigué. I had a wedding on Friday, wedding yesterday, and today preaching. So. Vendredi, j'avais un mariage. Hier, il y avait un mariage, des prédications et tout. So everything went well by God's grace. We are trying to recover from. Alors, tout s'est bien passé par la grâce. From the busy week. On essaie un peu de I thought I was on vacation, but I was not. On essaie de récupérer la semaine vraiment occupée. Je pense que c'était en vacances. Next week, I'm going back to work again. Et la semaine prochaine, je vais retourner au travail. And I really want to thank all of you for everything that you do. J'aimerais remercier chacun de vous pour tout ce que vous faites. To keep everything nice in the church. Pour garder tout en ordre dans l'église. And I've just noticed that the basement is pretty messy. J'ai remarqué que le sous-sol est vraiment pas propre. And I would like some people to take responsibility. Et j'aimerais que certaines personnes prennent des responsabilités. Yeah, the chairs are piled up and they're not put in place and tables and it shouldn't be that way. Les chaises, les tables et tout est pas un peu en désordre, ça devait pas être comme ça. It should always be nice. Ça devait toujours être bien fait. And Lord's willing, we are going to resume Sunday school with the kids. Dieu voulant, nous allons recommencer l'école des dimanches avec les enfants. For the kids who will be present. Pour les enfants qui seront présents. So we are going to resume Sunday school. On va recommencer l'école des dimanches. And Brother Branham encourage parents to bring their children to Sunday school. Et Frère Branham encourage les parents à amener les enfants à l'école des dimanches. And there are a few things I'm going to talk about today. Et il y a certaines choses dont j'aimerais parler aujourd'hui. And I pray that the Lord will open your spiritual understanding. Je prie que le Seigneur ouvre votre compréhension spirituelle. Because as Christians, parce que comme chrétiens, we don't look at great things. Nous regardons pas à des grandes choses. Great things means nothing. Les grandes choses ça signifie rien. But small things. Mais ce sont des petites choses. That's what matters. Ce sont celles-là qui sont importantes. Amen. Amen. So, and God bless our visitors. Que Dieu bénisse nos visiteurs. As I did say on Friday, I was preaching at the wedding of Ben and Sheila. Comme je l'ai dit le vendredi, j'ai prêché au mariage de Ben et Sheila. There were a lot of people there. Il y avait beaucoup de gens là-bas. And you know, it's always an opportunity, as I was saying, when they invite you to preach like that. It's an opportunity to reach out and to preach to people that come to the wedding. C'est toujours une occasion pour profiter et prêcher aux gens qui sont venus au mariage. Because most of the time, people getting married, they don't listen to the preaching. Parce que souvent, les gens qui se marient ne suivent pas la prédication. Their mind is elsewhere. Leur pensée, c'est ailleurs. But those who come to attend the wedding, mais ceux qui viennent au mariage, because some of them are married, parce que certains d'entre eux sont mariés, some of them are engaged, d'autres, ils sont fiancés, some of them are thinking, certains pensent of getting married, de se marier. So, then when you present the word, alors, quand tu présentes la parole, so you are thinking of the whole congregation. Alors tu penses à toute la congrégation. So it was like for me reaching out to those who were not, those who were in the auditorium. Pour moi, c'était comme j'étais en train de tendre la main à ceux qui étaient dans l'audience. Amen. Amen. So I preach on marriage. Love is sacrificial and is also redeeming. J'ai pris sur le mariage comme étant redemptive. Mariage, l'amour du mariage et des sacrifices et puis l'amour de rédemption. And I went deeper into it to show how it's so deep. It goes beyond what people expect. Je suis allé un peu loin pour montrer que ça va au-delà de ce à quoi les gens s'attendent. You know, as I did say yesterday, comme je l'ai dit hier,
Brother Branham said marriage is the oldest institution that there is. Le frère Branham dit que le mariage c'est la plus ancienne institution qui existe. And we should expect that those who get married. On devait s'attendre à ce que ceux qui se marient to become more spiritual. Deviennent plus spirituels. Not carnal. Pas charnel. Because they see the type. Parce qu'ils voient, ils regardent les types. They see the in the Old Testament and in the New Testament. Mais dans l'Ancien et le Nouveau Testament. They see the type, they see the reality. Ils voient les types et les réalités. They are right in between. Et ils sont en train de chevaucher entre les deux. And they have reference. Et ils ont des références. So there's no excuse. Alors il n'y a pas d'excuse. So if a man wants to know what does it mean to be a man? Si un homme veut savoir ce que signifie d'être un homme. There are plenty of scriptures in the Bible. Il y a plusieurs écritures dans la Bible. If a man wants to understand what does it mean to be the head of the family? Si un homme veut comprendre ce que signifie d'être la tête de la famille. The head of the woman? La tête de la femme. There are so many scriptures in the Bible. Il y a tellement d'écritures dans la Bible. So many quotes of Brother Branham. Tellement de citations de frère Branham. If a woman wants to understand what does it mean to be submissive? Si une femme veut comprendre ce que signifie d'être soumise. There are so many scriptures in the Bible. Il y a de la même manière so plusieurs écritures prophet, et des citations des prophètes. So there's no excuse. Alors il n'y a pas d'excuse. Amen. Amen. So if you are married, alors si tu es marié, you should get more spiritual. Tu devais devenir plus spirituel. After I was done preaching, après que j'ai prêché, a young man came and talked to me. Un jeune homme est venu me parler. He said, "Pastor, thank you for preaching." Il dit, pasteur, merci d'avoir prêché. When you're done preaching, I feel like I should get married now. Quand tu as fini de prêcher, j'ai senti comme si je devais me marier maintenant. You gave me the desire to get married. Tu m'as donné le désir de me marier. But okay, if that was what it did in your life, I thank the Lord for it, you know. Et si c'était ça qui a fait dans ton cœur, alors nous remercions le Seigneur pour ça. But I want the young people to connect with him because it's a young man that I met about 2 or 3 years ago. J'aimerais que les jeunes gens se connectent avec lui parce que c'est un jeune homme que j'ai rencontré, ça fait 2 ou 3 ans. I'll pass on his information so you can connect with him. Je vais passer l'information, comme ça vous allez entrer en communication. Maybe some of you know them. Do you know somebody called Melchizedek? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Melchizedek? You know, huh? Sister Florence knows her. Okay. That's so, true. Sister Florence, make sure you connect with Melchizedek again. Alors, Sœur Florence, rassure-toi de rencontrer Melchizedek. Bring him to church. Et l'amener à l'église. Amen. I asked him to come to church. He said he's going to come. So. Je lui ai demandé de venir à l'église. Il a dit qu'il viendra. And I see. He has a wonderful name, Melchizedek. Il a un nom merveilleux. Il est Melchizedek. Hallelujah. Can you? We are in the church. You have Melchizedek in the church. That's wonderful. Imaginez-vous d'avoir dans une église un Melchizedek. C'est merveilleux ça. Amen. Okay, so that was really wonderful. C'était vraiment merveilleux. God bless you. We're going to sing a song and then we'll go to the Word. Que Dieu bénisse. On va chanter un cantique, ensuite on ira à la parole. And God bless Brother Neville and Sister Joyce. Et Dieu bénisse frère Neville et sœur Joyce. And also God bless all that did their best to make the wedding success. Et que Dieu bénisse tout le monde qui a fait que le mariage soit un succès. Under COVID-19, it's not easy. Sous COVID-19, ce n'est pas facile. But somehow God made it possible. Amen. Et d'une manière, Dieu l'a rendu possible. Amen. Let's sing Give Me Those Wonderful Words of Life. You know, I love that song. Let us stand. On peut se lever. Faith and duty, beautiful words.
Our gracious Heavenly Father, grâce Père Céleste. We thank you for your love and grace. Merci pour ton amour et ta grâce. We thank you, Lord, for the wonderful words of life. Merci Seigneur pour ces paroles merveilleuses de la vie. That offer pardon to all. Qui offre le pardon à tous. Father, if there are people on earth. S'il y a un peuple sur la terre, that we need pardon, oh God. Ils ont besoin du pardon. We are the ones standing here before you. Nous sommes ceux-là devant toi. Lord, we live among wicked people. Nous vivons parmi les hommes méchants. We see things that we should not see. Nous voyons des choses qu'on ne devait pas voir. We hear things that we should not hear. Nous écoutons des choses qu'on ne devait pas entendre. Lord, we pray that today you may forgive us. Puis puisses-tu nous pardonner aujourd'hui? Because one way or the other, we have defiled ourselves in this world. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes souillés dans ce monde. But we pray that your precious blood may cleanse us to this afternoon, Lord. Mais puisse ton précieux sang nous le lave cet après-midi. And show your mercy unto each and every one. Et extends ta miséricorde à chacun de nous. Father, I pray that you bless your children. J'ai prié que tu bénisses tes enfants. Who have made it today, oh God. Qui sont venus aujourd'hui. Let the Holy Spirit come on the scene. Que le Saint-Esprit descende. And give us words of life. Il nous donne les paroles de la vie. Words of comfort. Les paroles de consolation. Words of edification. Et les paroles d'édification. Give us reminders, Lord. Donne-nous des rappels. Who we are, Almighty God. Qui sommes-nous, Seigneur? Father, also those who could not be in the church today. Père, ceux qui n'étaient pas obligés de venir à l'église because aujourd'hui. Because of COVID-19 protocols. À cause du protocole de COVID-19. Where they are in their homes. Où ils sont dans leur maison. We pray that the Holy Ghost may break through the walls. Puisse le Saint-Esprit briser à travers les murs. And bless them, Almighty God. Et les bénir aussi. Let the anointing of the Holy Spirit be with them. Que l'onction du Saint-Esprit soit avec eux. Let the angel of the Lord manifest himself among them, O God. Que l'ange du Seigneur se manifeste parmi eux. You say it in your word, O Father. Tu as dit ta parole, Père. Wherever two or three shall be gathered in your name. Où qu'il y aura deux ou trois assemblés en ton nom. You shall be in the midst. Tu seras parmi eux. Oh God, we believe that you are here in our midst, oh God. Oh Dieu, nous croyons que tu es ici parmi nous. May you reveal yourself once more, oh God. Révèle-toi encore. As the great Jehovah. Comme le grand Jéhovah. El Shaddai. El Shaddai. The strength giver. Celui qui donne la force. Oh God, come and give us strength. Viens nous donner la force. Lord, heal our bodies, Lord. Oh, guéris nos corps. Heal our souls, Almighty God. Guéris nos âmes, Dieu puissant. Because you are Jehovah Rapha. Parce que Jehovah Rapha. Oh, hallelujah. You are the son of righteousness. Tu es le fils de la justice. Oh God, that brings healing on his wings. Les soldats de la justice qui apportent la guérison sur les ailes. Bless your children, Almighty God. Bénisse tes enfants. I'm not a good preacher. Tu es pas un bon prédicateur. You know the desire of your children. Tu connais les désirs de tes enfants. You know their expectation. Tu connais leurs attentes. Father, take me out of the way. Écarte-moi du chemin. And speak unto each and every one. Et parle à chacun. Including myself, Lord. Moi-même inclus aussi. In Jesus' name, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. God bless you. Before you sit it. Que Dieu bénisse avant de vous asseoir. Let's go to 1 Kings chapter 19. Allons dans 1 Roi chapitre 19. Thank you, musician. God bless you. First Kings. 1 Roi. Chapter 19. Au chapitre 19. I'm going to read from verse 7 to 17. Verset 7 à 17. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, okay, let's do this. I'm going to read from verse 1. Je vais lire de verset 1. Up to 7. Jusqu'à 7. I'll let you sit down and then I'll continue up to verse 17. Je vais vous laisser vous asseoir et je continue jusqu'à 17. Also want to remind you, je vais aussi vous rappeler, when you come to church, always observe the COVID-19 protocol. That means you have to leave one pew empty between two people or two families. Respectez les conditions de COVID-19, c'est-à-dire entre familles, on laisse un banc qui est vide. Or the way you are sitting, keep in mind to observe that. Alors, we don't want somebody to come and check on us and say, hey, you are not respecting social distancing. Nous voulons pas que quelqu'un vienne voir qu'on n'expecte pas la distance sociale. Amen. Amen.
King James. Oh, sorry. First Kings, verse 19, chapter 19, verse 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by the morrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day journey into the wilderness and came and sat down on the juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baked on the coals of a cruse of water at his head. And he did eat and drink and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. May the Lord add his blessings to the reading of the word. You may be seated. Le Seigneur ajoute la bénédiction sur la parole. With verse 8. Je vais continuer avec le verset 8. You read with me in your Bible. Vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. And he said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with a sword. And I, and even I only, am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth and stand up on the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What dost thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous of the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. Jehu the son of Nimshi shall thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat and Abimelech shall thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escaped the sword of Hazael shall Jehu slay, and he that escaped from the sword of Jehu shall Elisha slay. Amen. So I'm going to talk a little bit today about the still small voice. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la petite douce voix. You know, just giving you the background here. Juste pour vous donner un peu un fondement. Brother Branham says. Brother Branham dit. That let me just get something here because when I get my. So. Just to give you a little background. Juste pour vous donner un fondement ici. Brother Branham preached so many messages. Don't be distracted now. Ne soyez pas distrait maintenant. Frère Branham a prêché beaucoup de messages. Amen. There are little things people do to get distracted.
Il y a des petites choses que les gens font pour que vous soyez distrait. But if you believe that you are in the presence of God, then you must be reverent. Mais si tu crois d'être dans la présence de Dieu, alors tu dois être révérent. And you must be focused. Et tu dois avoir un objectif quelque part. Don't let the devil distract you. Amen. So the children of Israel had gone astray with Jezebel's modern lifestyle. Les enfants d'Israël étaient avec Jezebel, c'est devenu comme un style de vie. And Elijah had preached the word. Et Élie avait prêché la parole. And he brought great victory on Mount Carmel. Et il avait apporté des grandes victoires sur Mont Carmel. And people saw the victory. Et les gens ont vu les victoires. You see, we all have different victories. It may not be exactly that Mount Carmel, but we have all victories. Vous savez, nous avons chacun de nous des victoires, peut-être pas ressemblables à Mont Carmel, mais nous en avons quand même. Nobody can tell me that he has never had any victory in his life. Il n'y a personne qui puisse me dire qu'il n'a jamais eu de victoire dans sa vie. Alléluia. We have gone through different victories in our life. Nous sommes allés à travers plusieurs victoires dans nos vies. So Elijah, after having the victory at Mount Carmel, alors Élie, après avoir eu des victoires sur Mont Carmel, he found himself in a very difficult situation. Là, il se trouva dans une situation très difficile. Because Jezebel wanted to kill him. Parce que Jezebel cherchait à le tuer. Then he ran away. Alors il s'enfuit. He went under a juniper tree. Et il est allé se cacher sur un he was sleeping there. Alors qu'il était en train de dormir. Sleeping. Il dormait. Sleeping. Il dormait. Just sleeping. Il ne faisait que dormir. Under the juniper tree. Sous cet arbre. Brother Branham said. Et Frère Branham dit. Elijah. Élie. Would not compromise in the midst of everything that was happening in Israel. Ne faisait aucun compromis parmi tout ce qui s'est passé en Israël. Yet after doing the great things. A good things. Après avoir cependant fait des grandes choses, he was being victim of the good that he did. Il a fait des bonnes choses et maintenant il était victime à cause de ce qu'il avait fait de bon. But I'm saying the message, what thou hast thou here? Alors, le message, qu'est-ce que tu as entendu? Non, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Okay. He said that Elijah, who was trying with his heart of God, trying to show the people that he was still God. Élie qui faisait de son mieux de montrer vraiment que Dieu était toujours Dieu. He was trying to show the people that God was still God. Il essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu. But it backfired on him. Mais cela lui a retourné contre lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? It's like a preacher preaching and telling sister that you should always dress nice, don't dress sexy. C'est comme un prédicateur qui dit toujours aux sœurs que vous ne devez pas vous habiller de façon sexy. Trying to get people to see a real true God. Pour essayer d'amener les gens à voir le véritable Dieu. Trying to bring people to the baptism of the Holy Ghost. Essayer d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Trying to take people away from the trends of the world. Essayant d'écarter les gens des tendances de ce monde. But yet it backfired on the preacher. Mais malgré ça, cela est allé, ça a retourné contre le prédicateur. Sometimes you try to tell people how to raise their children at home. Des fois, vous essayez de dire aux enfants, plutôt aux gens, comment élever les enfants à la maison. But it backfired on the preacher. Mais cela se retourne contre le prédicateur. Trying to do the right thing. Essayant de faire la bonne but chose. But it backfired on you. Mais ça retourne contre le prédicateur. So he ran out into the wilderness. Alors il avait fui dans le désert. When he heard that Jezebel wanted to kill him. Alors il a entendu que Jezebel cherchait à le tuer. Hallelujah. He can sit with Brother Mayel there. It's okay. Glory to God. Gloire à Dieu. So we can see that he ran out into the wilderness. On a vu qu'il avait fui vers le désert. And when he heard that Jezebel was going to kill him. Quand il a entendu que Jezebel allait le tuer. Then he laid under the juniper tree. Alors qu'il était couché sous l'arbre. Trying to find consolation. Essayant de trouver la consolation. How many knows the story of the juniper tree? Let me see your hand. Combien connaissent l'histoire de cet arbre ici? Le gêné. Le gêné. Yeah. Yeah. Glory. Je vois votre main. Juniper tree. L'arbre, le gêné ou quoi? Brother Branham says. Frère Branham dit. That the experience of juniper tree, l'expérience de ce gêné, every Christian, chaque chrétien, must go through it, doit passer à travers. The experience of juniper tree, every Christian must go through it,
Chaque chrétien devait passer par cet arbre. And that experience, et cette expérience, as we read here, comme nous avons lu ici, we read the book of Kings, dans un roi, Elijah said, which verse? In verse 4. Verset 4. Elijah said, Eli dit, but he himself went a day journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. Il avait demandé que Dieu lui donne la mort. Il dit, Éternel, prends mon âme. He requested to die. Il avait deux requêtes. And Abraham said, every Christian dit, chaque chrétien must have the experience of the juniper tree. Doit avoir l'expérience du gêné. I tell you, je vous dis, Elijah, Eli, his nerves was on the edge anyhow. Ses nerfs étaient vraiment au bout de toute manière. You see, you are going through a situation. Voyez, vous traversez une situation. Your nerves are on the edge. Maintenant, vos nerfs sont arrivés tellement tendus. So you are ready, like to scream. Okay, no more. Tu es vraiment prêt à crier comme ça? Oui, non, c'est trop, je ne peux plus. You got to a situation where you just don't know what to do. Tu arrives à une situation, c'est que tu ne peux pas, tu peux faire, tu ne sais rien. You say, if I can get anywhere with this, I'd rather die. Tu dis, mais si je peux aller nulle part avec ça, ça serait mieux que je meure. Alléluia. He said, I always felt sorry for him. J'ai toujours la pitié pour lui. His nerves was about ready to break anyhow. Ses nerfs étaient prêts à éclater de toute manière. And that great pawn from Jezebel finished the stroke. Et ce coup de Jezebel avait fini le coup. Then he ran and went into the wilderness and laid under the juniper tree. Alors là, il a pris dans le désert et se coucha sous le gêné. The juniper tree. Sous un gêné, un arbre qu'on appelle gêné. Alléluia. Amen. Yesterday you danced at the party, right? Yeah. Maybe on Mount Carmel. Now you're on the juniper tree. Mais hier vous avez dansé au mariage, mais Because même some people Carmel. Are trying to sleep. Because under the juniper tree, people sleep. Parce que certaines personnes essaient de dormir ici. Vous voyez, sous le gêné, les gens essaient de dormir. But the Lord comes and says, "Hey, wake up." Mais le Seigneur vient te dire, réveille-toi. Eat food. Mange la nourriture. They give you food now. On te donne la nourriture maintenant. Eat food. Mange la nourriture. Eat spiritual food. Mange la nourriture spirituelle. Take manna from heaven. Prends la manne du ciel. It will give you strength. Ça va te donner la force. Because the journey is long. Parce que le voyage est long. Hallelujah. He said that experience of juniper tree. C'est l'expérience d'un gêné. There's many of us find ourselves under the juniper tree. La majorité de nous retrouvons sous un gêné. And what Abraham said, I get myself under there many times. Moi-même, je me retrouve sous un gêné plusieurs fois. But Abraham requested even his death. Frère Abraham avait même demandé sa mort. He said, Lord, I want to die. Il dit, Seigneur, je vais mourir. He took a gun. Il a pris une arme. To take his life away. Pour se suicider. He was under the juniper tree. Il était sous un gêné. You get to a situation where it looks like you can't hold it anymore. Tu arrives à un point où tu te rends compte que tu ne peux plus tenir. You know, some people, oui, il y a des gens, because they are not Christian, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, when they get into those situations, quand ils arrivent dans des situations comme ça, you hear them commit suicide. Vous allez entendre qu'ils ont commis le suicide. Because they have no hope. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. But we have a God. Mais nous avons un Dieu. The God of Elijah. Le Dieu d'Élie. Hallelujah. Amen. The God of the Mount Carmel. Le Dieu du Mont Carmel. Is not only on Mount Carmel. Il n'est pas seulement sur Mont Carmel. He's also under the juniper tree. Il est aussi sous un gêné. He's still God. Il est toujours the Dieu. God of the mountain. Le Dieu de la montagne. Is the God of the valley. C'est le Dieu de la colline. The God of the day. Le Dieu du jour. He's the God of the night. Il est le Dieu de la nuit. Even when things go wrong. Même quand les choses vont mal. He's still the same God. Il est toujours le même Dieu. Alléluia. Amen. So we need to trust God. On doit avoir confiance en Dieu. That gives you strength. C'est ça qui donne la force.
So we see Brother Branham said here, he himself was many times under the juniper tree. Nous voyons que Frère Branham dit que plusieurs fois il s'est retrouvé sous un genêt. You could find yourself under a juniper tree in your family. Tu peux te retrouver sous un genêt dans ta famille. In your marriage. Dans ton mariage. In your professional work or life. Dans ta vie professionnelle. Or any kinds of life. Ou n'importe quel genre de at vie. At school. À l'école. You just don't know. It looks like I'm going to give up everything. Just stop it. I don't know. Tu t'es envie, tu t'es dit, est-ce que je dois abandonner? Je ne sometimes sais pas. You think everything that you do, nothing is working. Des fois, tu penses que tout ce que tu fais, rien ne marche. But Abraham said, I get myself under there many times. Et je me suis retrouvé plusieurs fois sous un genêt. To a place that you don't know what to do. Ou un endroit où tu ne sais pas quoi faire. You are frustrated. Et tu es frustré. Frankly, I am right under it now. Oh, franchement. So, while Barabara was preaching this message, alors que Frère Branham prêchait au sujet, that he was under juniper tree, il dit right que à ce moment même, il était sous un genêt. And wondering, oh God. Et il se posait la question, oh Dieu. What would you have me do? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? You know. Tu sais. People under the juniper tree. Les gens sous un genêt. It's like Elijah. C'est comme Élie. They like to sleep. Ils aiment dormir. Hallelujah. Yeah. I preach to more tired people than anybody in the world. J'ai prêché à plus de gens fatigués que personne d'autre dans le monde. People so tired. Les gens tellement fatigués. They are so mentally strained until they are filling the insane institution. Ils sont tellement and the hospitals. Ils sont mentalement tellement touchés jusqu'au point où ils ont besoin qu'on les amène dans les institutions under des personnes the avec juniper des tree. Un sous un genêt. That's a place where he was laying. C'est là où il était en train de se coucher. God, Dieu, listen now. Maintenant écoutez. God, Dieu, had to do something for him. Devrait faire quelque chose pour lui. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. But Abraham said, God, Abraham dit, Dieu, had to do something for Elijah. Devrait faire quelque chose pour Élie. Glory. Wow. Now listen. Maintenant écoutez. God, Dieu, has to do something. Devait faire quelque chose. For every man that comes under the juniper tree. Pour chaque homme qui arrive sous un genêt. Ou bien. He will go to pieces. Ou bien il va éclater en morceaux. God, Dieu, has to do it for you. Doit faire cela pour vous. The God of Elijah, le Dieu de Élie, is your God. C'est votre Dieu. Under the juniper tree, sous un genêt, when he was at the Mount Carmel, quand il était sur le Mont Carmel, when you shout the victory, quand il t'a crié la victoire, when you are happy, quand tu es heureux, that God was there, le Dieu là était who là, gave you happiness, qui t'a donné la who joie, gave you a job, qui t'a donné un travail, who gave you a house, qui t'a donné une maison, who gave you whatever you wanted, qui t'a donné tout ce que tu voulais, who gave you so many things, qui t'a donné plusieurs but choses. Then problem comes, maintenant les problèmes arrivent. That same God, le même Dieu who was with you on Mount Carmel, qui était avec toi sur Mont Carmel, the same God, il est le même Dieu under the juniper tree, sous un genêt, le Dieu d'Élie. He's the same yesterday, il est today, bien forever. Aujourd'hui éternellement. He's looking for somebody to trust him. Il cherche quelqu'un qui aura confiance en lui. Amen. He has to do it. Il doit le faire. If his servant laying under the tree yonder, alors le serviteur était en train de se coucher sous l'arbre. Don't know what to do. Il savait pas quoi faire. We've got there many, all of us. Lord, I've tried this with this. I don't know what to do. On a chacun de nous, Seigneur, je sais ceci et cela, je sais quoi faire. Maybe you had a victory on one thing. Peut-être tu avais une victoire sur une chose. And then if you got you on something else. Et maintenant tu arrives à une autre chose. Oh Lord, I can't defeat this demon. Oh Seigneur, je ne peux pas battre ce démon. The God who gave you victory on Mount Carmel over there. Le Dieu qui t'a donné la victoire sur Mount Carmel. The God who gave you a victory on so and so and such and such other thing. Le même Dieu qui t'a donné la victoire sur. He is the same God. C'est là, il est le même Dieu. When you are under the juniper tree. Quand tu es sous le genêt. What Abraham said. Abraham dit. He has to do something for you. Il doit faire quelque chose pour toi. God has to do something for every man that comes under the juniper tree. Dieu doit faire quelque chose pour chacun, une chaque personne qui arrive sous un genêt. And if you are a Christian, et si tu es un chrétien, you never come under the juniper tree. Tu vas jamais arriver sous un genêt. Something wrong. Mais il y a because quelque chose de mal. Every man has to come under the juniper tree. Every Christian. Parce que chaque chrétien doit avoir l'expérience d'un genêt.
Hallelujah. Amen. You must come to a point, you know, when you are under the juniper tree. C'est quand tu es sous un gêné, you have no strength to eat. Tu n'as pas la force de manger. Elijah was just sleeping. He didn't even care about the food. Oh, did you cook food today? Or oh, is there any rice to eat? No. Élie n'avait pas envie de manger. Tu the peux angel pas, of tu vas manger Lord le foufou ou quoi? L'ange du Seigneur revient le réveiller. Élie, wake up. Réveille-toi. And eat food. Mange la nourriture. And he ate food. Il a mangé la nourriture. And went back again sleeping. Il est retourné au sommeil. Hallelujah. Amen. So when you are under a juniper tree, alors quand tu es sous un gêné, even the hunger of food, même la faim pour manger, leaves you. Tu vas te quitter. You see people, voyez les gens, they go through situations, ils ont des problèmes, that looks like a juniper tree, qui ressemble à un arbre, un gêné, but their attitude, mais leur attitude, doesn't show it. Ça ne montre pas ça. But that situation should bring you under a juniper tree. Mais cette situation devait t'amener sous un gêné. A place where you think God has to do something for me. Une place où tu penses que Dieu doit faire quelque chose pour toi. Hallelujah. Because there's a certain thing you have to do. Parce qu'il y a certaines choses que tu devais faire. You have to stay away. Tu dois rester éloigné. You want to be by yourself. Tu veux rester seul. By yourself. Tu veux rester seul. You want to stay in your bedroom. Tu veux rester dans ta chambre. And have some, listen to some tapes. Peut-être écouter certaines bandes. And read the Bible. Ou lire la Bible. And pray. Et prier. You take your cell phone. Tu prends ton téléphone. You switch it off. Et tu le fermes. You don't need to receive any message or any call. Tu ne veux pas recevoir un appel ou des messages. Because you are under the juniper tree. Parce que tu es sous un gêné. Because you are under the juniper tree. Mais quand tu es sous un gêné. Somebody will send you some Instagram messages. Quelqu'un va t'envoyer des messages Instagram. To take you out of the atmosphere. Pour te sortir de l'atmosphère. To take you out of the expectation. Pour te sortir de l'expectative. And that kills the process. Et ça va tuer la procédure. Amen. Yeah. So he has to do it. He, if his servant laying under the tree yonder don't know what to do, he scared out this commission. Et il doit le faire si son serviteur est sous un gêné, c'est-à-dire qu'il a abandonné sa commission. Elijah said, "Let me die." Élie a dit que laisse-moi mourir. You know, in every situation in this life, vous voyez, dans toute situation de cette vie, we need to trust a certain leadership. Nous devons avoir confiance dans un certain leadership. Any decision that we make, n'importe quelle décision que tu prends in our lives, dans nos vies, what to dress, comment s'habiller, how to marry, comment se marier, where to go, où partir, what to do, ce qu'il faut faire, even what to preach, même ce qu'il faut prêcher, you need something. Tu as besoin de quelque chose. Abraham said, all God's people, Forum dit que tout le peuple de Dieu. In what hearest thou, Elijah? Can't talk to you, Eli. All God's people needs to go to that juniper tree. Tout le peuple de Dieu doit aller sous un gêné. But I want to ask you a question. Mais je vais poser la question. How many God's people we have? Raise your hand. Combien de peuple de Dieu que nous avons? Even those who are at home, raise your hand. Même ceux qui sont à la maison, levez votre main. If you believe you are God's people, raise your hand. Si tu crois être un peuple de Dieu, lève ta main. All of us here, we are God's people. Nous tous ici, nous sommes un peuple de Dieu. Praise be to God. I'm so happy. Loué soit l'Éternel. The next question is. La question suivante. Abraham said, all God's people needs to go to that juniper tree. Tout le peuple de Dieu doivent aller à être sous-gêné, sous un gêné. So, juniper tree, alors un gêné, is part of your life. C'est une partie de ta vie. It's a place. C'est une place where he was so discouraged. Où il était tellement découragé. He didn't know what to do. Et il savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Haven't you ever got to that spot where you are so discouraged? Est-ce que tu n'es jamais arrivé à un point où tu es tellement découragé? Et je vais voir ta main. So discouraged. Tellement découragé. All of us will get there. Nous arrivons tous là-bas. So discouraged. Tellement découragé. I'd rather even die. Oh Seigneur, j'aimerais même mourir. Maybe I'll feel much better. Peut-être je me sentirai mieux. I'd rather die, Lord. Oh, je désirais mourir, Seigneur. I told you one time. Je vous ai dit un jour. I was praying and crying. J'ai prié et j'ai pleuré. I said, Lord. Dis Seigneur.
I want to die. Je vais mourir. Take my life. Retire ma vie. I was by myself. J'étais par moi-même. And a sister later on, a sister. Et une sœur plus tard. She gave a message. Elle a donné un message. Hey, you asked to die. Toi, tu as demandé de mourir. You have to take your words back. Tu dois retirer tes paroles. Because it was a normal process. Parce que c'était un processus normal. Oh, he ran out to himself and go under the juniper tree. Alors il s'enfuit et il est allé sous un gêne. Say, Lord, I'm so weary. I'm just tired. Oh Seigneur, je suis tellement fatigué. So many problems, Lord, I can't handle this life anymore. Il y a tellement de problèmes que je ne peux plus vraiment, oh Seigneur, tenir dans cette vie. There's no way out. Il n'y a pas de voie de sortie. There's no solution. Aucune solution. I became a fugitive. Je suis devenu un fugitif. I don't know what to do. Je ne sais quoi faire. And Rome said, I'm so glad that there is a juniper tree. Faut me dire que je suis tellement heureux qu'il y a un gêne. When we get all war and tore up. Où nous tous nous arrivons, nous sommes déchirés et fatigués. We can go under that juniper tree. On peut aller sous un gêne. And find spiritual vitamins to travel any kind of a trip. Et trouver des vitamines spirituelles pour n'importe quel genre de voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. You know, when they took them to the valley of Achor. Quand on les a amenés à la vallée d'Akan. They took Achan. On a pris Achan. Brought him into the valley of Achor. Et on a amené dans la vallée d'Akan. Vallée d'Achor. Vallée d'Achor plutôt. And there. Et là-bas. God said, I'm going to open a door of hope. Alors Dieu dit que je vais ouvrir une porte d'espoir. God promises to open. Dieu avait promis d'ouvrir une porte d'espoir in the valley of Acre, dans la vallée d'Acor, in the valley of trouble, dans la vallée des troubles, in the valley of torment, dans la vallée in des the tourments, valley of trials, dans la vallée God des preuves. Et Dieu a promis to open a door of hope, d'ouvrir une porte d'espoir to bring you out of the valley, pour te sortir de la vallée the mountain, et t'amener encore sur la montagne. Alléluia. Amen. He said, though I walk in the valley of the shadow of death, même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, il sera là. Pourquoi m'a dit? They call it the valley of the shadow of death. On l'appelle la vallée de l'ombre de la mort. It's just a shadow. Bah, c'est juste l'ombre. That means light is there. Ça signifie que la lumière a est là. Shadow is created by light. L'ombrage est créé and par la lumière. Was in the valley. Et la lumière était dans la and vallée. That's why death was a shadow. C'est pour ça que la mort était seulement so un ombre. There, the light in the valley. Of the shadow of death. Alors la lumière se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. I shall open a door of hope for you. J'ouvrirai une porte d'espoir pour toi. Alléluia. Amen. When you have lost hope. Quand tu as perdu l'espoir. When you don't know what to do. Quand tu sais quoi faire. Alléluia. Amen. I shall open a door of hope. J'ouvrirai une porte d'espoir. He's still the same God. Il est le même Dieu. The God of good time. Le Dieu des bons temps. And the God of bad times. Et le Dieu des mauvais temps aussi. He never said that I won't be there. Il n'a jamais dit qu'il ne sera pas là. In the good time. Je serai dans les bons temps. And I'll be there also under the juniper tree. Je serai aussi sous le gêne. Because he said, parce qu'il a dit, I'll never leave you alone. Je ne vais pas t'abandonner I'll seul. Be with you je serai avec toi to the end of the world. Jusqu'à la fin du so monde. God promises Dieu a promis his ever presence in your life. C'est une présence toujours so dans ta even vie. When I'm in a even when I am dying. Même quand je meurs. Alléluia. Amen. Even if my wife cannot come with me. Même si ma femme ne peut pas venir avec moi. Even if my children cannot come with me. Même si mes enfants ne peuvent while pas venir avec I'm moi. Dying, alors je meurs. I know one thing for sure. Je connais une chose certaine. The Lord my God. Le Dieu mon Dieu, mon Dieu, serait avec I moi. Do the last step in this life, quand j'ai fait les derniers pas dans cette vie. To guide my step. Je sais qu'il va guider mes pas. I believe it to be the truth. Je crois que c'est la vérité. The God of the mountain. Le Dieu de la montagne. The God of the valley. C'est le Dieu de la vallée. When things go wrong. Quand les choses vont mal. He's the same God. Il est toujours le même Dieu. Amen. What dost thou hear? Qu'est-ce que tu vous entendez ici, Eli? Que fais-tu ici? What dost thou hear? Que fais-tu ici? We find out that he went 40 days and nights. Il a passé 40 jours et nuits. God located him as standing or pulled back in a cave. Il s'est retrouvé dans une cave. Alléluia. Mm.
God wants you to be in the cave. Dieu désire que tu sois dans une cave. And God wanted to attract his attention. Et Dieu voulait attirer son attention. God wants to attract your attention. Dieu désire attirer ton attention. So there was a great storm passed by. Et il y avait une grande tempête qui s'est passée par là. And it ripped the mountains. Et ça a déchiré les montagnes. It was so powerful. C'était tellement puissant. Till it shook the rocks. Et ça secouait les rochers. You can become emotional. Tu peux devenir émotionnel. Oh. Oh là. God. Tu peux, oh Dieu, qu'est-ce qui arrive? But God was not in the storm. Mais Dieu n'était même pas dans la tempête. It went before God did. And then there came again a great earthquake that shook the earth. Après, il y a eu un tremblement de terre qui a secoué la terre. But still God wasn't in the earthquake. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. And there came a fire. Et un feu est arrivé. But God wasn't in the fire. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Then there came a still small voice. Est venue la petite douce voix. And God was in the voice. Et Dieu était dans la petite douce That's voix. What I want to draw your attention. C'est là où je vais attirer votre attention. God was in the still small voice. Dieu était dans la petite douce voix. We listen to so many voices. On écoute plusieurs voix. I'll give you different voices. Je vais vous donner des différentes voix. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? Now you are in a room. Maintenant, vous êtes dans une chambre. CBC News. Il y a les nouvelles de CBC. CNN. Les CNN. Voice of America. La voix de l'Amérique. You also listen maybe the voice of the prophet. Peut-être tu écoutes la voix du prophète. YouTube, you're putting music. Mais il y a la musique de YouTube. Those who love politics, maybe they'll listen to something politics there too. Ceux qui aiment la politique, peut-être ils écoutent une chose là-bas. Maybe this and so many voices at the same time. Tellement plusieurs voix au même moment. You can't hear. Tu ne peux pas écouter. You need to quieten those. See somebody. If I walk in the room, si j'entre dans une chambre, and I want to talk to you, je vais te parler. You should reduce the volume. Tu dois réduire les volumes. So you can be able to listen to me. Comme ça, tu seras en mesure de m'écouter. If you don't put down the volume, et si tu ne réduis pas les volumes, you can't listen to me. Tu ne pourras pas m'écouter. So you have to quieten those voices. Alors, tu dois rendre au silence ces voix. For you to listen to my voice. Pour écouter ma voix. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, you listen to so many voices. Vous écoutez tellement de voix. You can't believe, but you see the way I'm dressed now. Vous pouvez parler quoi? Vous voyez comment je suis habillé? I have a black shirt with a yellow tie. J'ai une chemise sombre avec une cravate jaune. It could be a voice to you. Ça peut aussi être une voix pour vous. While I'm preaching. Pendant que je prêche, a voice talking to you. Une voix te parle. You see the tie of the pastor? Tu vois la cravate du pasteur? You see his shirt? Tu vois sa chemise? It's talking to you. Ça te parle. But at the same time, mais au même moment, the pastor is preaching. Mais le pasteur prêche. His voice is coming out. Sa voix est en train de sortir. You also listen to the voice of the tie. Mais tu suis aussi la voix de la cravate. Because the tie is talking to you. Ça te parle aussi. What the pastor is talking? Quand le pasteur parle? You say, ah, Sister Natalie's hair is nice, eh? Oh, les cheveux de la sœur Nathalie, c'est no, joli. You listen to the voice of the hair of Sister Natalie. Tu es en train d'écouter la voix des cheveux de la sœur Nathalie. Don't think a voice is just that you gotta. I heard a voice. No. Ne pensez pas que la voix c'est juste. Tu dois entendre une voix. Ce n'est pas When ça. You see a woman walking down the street naked. Si tu vois une femme qui marche dans la rue nue, it's a voice c'est in une, your mind. C'est une voix dans ta it's pensée. Speaking. Ça te parle. Look how she's dressed. Comment, regarde comment elle est habillée. This and that. Et ceci, cela. It depends on how you take it. Ça dépend comment tu you le prends. You can shut it down. Tu peux l'éteindre. Or you can raise the volume and make it louder. Ou bien tu peux aussi augmenter les volumes et rendre ça très 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 haut. Everything around you creates voices. Toutes les choses autour de vous, ça crée des voix. That reason, c'est pour when ça. You've gone out, quand tu es sorti, you go back home. Tu rentres à la maison. Everything that you went through the journey, tout ce que tu as traversé dans les voyages, where you've been in the mall and everywhere, là où tu es dans les malls et les you autres, can see it's not talking to you in the evening now. Dans les soirs, au soir, ça commence à te parler. And the devil knows that. Et le diable le sait. You listen to so many voices. Tu écoutes tellement de voix. I'll give you another example. Je vais vous donner un autre exemple. Somebody did wrong to you. Quelqu'un t'a fait du mal. The voice of vengeance. La voix de la vengeance. Speaking to your heart. Ça parle à ton cœur. When I see them. Quand je les vois. I want to greet their hands. Je ne veux même pas les saluer. I want to talk to them. Je ne veux pas leur parler. Even if I see their text message. Mais si je vois un message de texte. I'm not going to answer. Je ne veux pas répondre. And that voice of vengeance. Cette voix de la vengeance. Will even guide you. Ça va même te guider. To your
social media. Dans ton média social. And then you post. Et puis tu mets. An answer. Tu fais une réponse that person. À cette personne. They think. Ils pensent. When they talk about me. Quand ils parlent de moi. I'm this, I'm that. Oh, je suis cela. I post it. J'ai posté là. So that he can listen. Comme ça, il peut écouter. Yeah, they put it intentionally for that person to hear my response. Ils mettent justement pour cette personne-là d'écouter la réponse. So they are being handled by those different voices. Alors ils sont en train d'être manipulés par ces voix. Something can happen. Quelque chose peut arriver. You know. Vous savez. Today. Vous savez aujourd'hui. I was praying unto the Lord. J'ai prié le Seigneur. I was observing somebody. J'ai observé quelqu'un. I said, why is this person acting this way? J'ai dit, pourquoi cette personne agit comme ça? I felt that that person has a negative energy. J'ai senti que la personne avait une énergie négative. And then, ensuite, I spoke to myself. Je me suis parlé moi-même. I said, why is this person acting like this? Pourquoi cette personne agit comme ça? I didn't know what to do. Je ne savais quoi faire. And something spoke to my heart. Quelque chose parlait à mon cœur. You, toi, use a positive energy. Utilise une énergie positive. Don't use a negative energy to fight a negative energy. N'utilise pas une énergie négative pour combattre une énergie négative. Use a positive energy. Toi, utilise une énergie positive. And I went on my knees. Je suis allé aux genoux. I said, Lord God, Seigneur create Dieu, in me a positive energy. Crée en moi une énergie positive. Hallelujah. Amen. Because whatever people do to you, alors n'importe quoi que les gens create te font, voices. Ce sont des voix. Oh, they talk about me. Ah, ils parlent de moi. C'est lui-là, mais people dit ceci. Talk about les me. Gens ont parlé These de moi. People are doing. Les gens ont fait ceci. Not only that, I can even deeper. Pas seulement ça, je peux aller en profondeur. I've got, this is really $10,000. Oh, j'ai 10 000 dollars. Wow. Oh là là. Give a tithe of 1,000. Donner la dîme de 1,000 dollars. I'm giving pastor the money. Ah, je donne au pasteur de l'argent. He got a job, lui, il a le travail. A nice job. Il a un bon boulot. I won't give him the tithe. Je ne vais pas donner la dîme. I have so many problems. J'ai tellement de problèmes. I have to pay this bill here. Je dois payer la partie there. Là-bas, la partie là-bas. I'm not going to pay the tithe. Je ne vais pas payer la dîme. Maybe I'll just give 200. Peut-être je vais donner 200. Instead of 1,000. Au lieu de 1 000 dollars. You are listening to a voice. Tu écoutes une voix. You think it's your own mind. Tu penses c'est ta propre pensée. It's not your own. Something is talking to you. C'est quelque chose qui te parle. The same way. La même manière. While you are listening to that voice. Quand tu écoutes cette voix. God also speaks to your heart. Dieu aussi parle à ton cœur. But you can't listen to God. Parce que tu ne peux pas écouter Dieu. Because the voice of God. Parce que la voix de Dieu. Is not loud. N'est pas à haute voix. You see, it's still small voice. C'est la petite douce voix. Still. La petite. Douce voix. Une petite douce voix tranquille. Yes. Une petite douce voix tranquille. So you can easily miss it. Alors tu peux facilement le manquer. Those other voices, d'autres voix, they speak aloud. Ils parlent haut. They make so many noise ils font in your mind. Tellement de bruit. But there's a still small voice. Il y a cette petite douce voix tranquille that you have to listen. Que tu dois écouter. But you must exercise yourself, tu dois t'exercer, to be obedient to that still small voice. Pour être obéissant because à cette petite douce voix tranquille, ça, c'est ça qui apporte la délivrance dans la vie chrétienne. Le pasteur ne sera pas là toujours pour te dire ce qu'il faut faire. You will not listen to tapes everywhere you go. Tu ne vas pas écouter les bandes où que tu pars partout to tell you what to do in a given situation. Pour te dire ce qu'il faut faire dans une situation donnée. C'est là sa raison. To listen God. Tu dois écouter Dieu. And God speaks. Et Dieu parle. Whether you are a Christian or not, que tu sois chrétien ou non, God speaks to everyone. Dieu parle à chaque. Said, Abraham me dit, God cannot bring you into judgment. Dieu ne peut pas t'amener au jugement. Before he can warn you, avant d'avoir averti. Même ceux qui ne sont pas God chrétiens, speaks to them. Dieu leur parle many times. Plusieurs fois. They think et ils pensent, it's their conscience. C'est leur conscience. But it's God talking to them. Mais c'est Dieu qui leur parle. The day they will die, les jours qu'ils vont mourir, that voice, cette voix. To them again, va revenir encore. Ils vont réaliser. C'était Dieu qui parlait. Amen. You don't need to have the Holy Ghost. Tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour écouter Dieu. Whether you have the Holy Ghost, quand tu as le Saint-Esprit, ou bien tu n'as pas le Saint-Esprit, God can speak to you. Dieu peut te parler and to guide you. Peut te guider aussi. Amen. When God spoke to you to get baptized, quand Dieu t'a parlé pour être baptisé, did you have the Holy Ghost? Est-ce que tu avais le Saint-Esprit? When God asks you to repent for something wrong that you did,
Did you have the Holy Ghost? Quand Dieu t'a demandé de te repentir pour quelque chose de mal que tu avais fait, est-ce que tu avais le Saint-Esprit? Dieu parle. Whether you are a Christian or not, God speaks. Que tu sois chrétien ou non, Dieu parle. He speaks. Il parle. He has talked to you many times. Il t'a parlé plusieurs fois. But you did not exercise yourself to listen to God. Mais tu ne t'es pas exercé pour écouter Dieu. Because that voice, parce que cette voix, is negligent. Est négligente. Really negligent. Elle est vraiment négligée. But I want to tell you to show you in the Bible. Mais j'aimerais vous montrer la Bible. Can you imagine Brother Branham said? Imaginez-vous, frère Branham a dit. When God spoke to Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham. He said, Abraham. C'est Abraham. Take thy only begotten son. Prends ton fils unique. Go and sacrifice him. Et va le sacrifier. Brother Branham said. Frère Branham dit. It was a still small voice. C'était une cette petite douce voix tranquille. That spoke to Abraham. Qui a dit à Abraham. To go and sacrifice Isaac. D'aller sacrifier Isaac. It was not an audible voice. Ce n'était pas une voix audible. But Abraham, mais Abraham had learned to listen. Avait appris à l'écouter. Sometimes, quelquefois, you go through a trial. Tu es dans une épreuve. You are in a situation. Tu es dans une situation. The pastor gives you advices. Le pasteur te donne les conseils. You just want your mind. Tu veux seulement ta pensée. Because you have so many voices talking to you. Parce qu'il y a tellement de voix qui te parlent. Those voices have a dominant voice. Des voix dominantes. They are so loud. Ils sont tellement à haute voix. They are loud because for you to listen to that still small voice. Parce que pour écouter cette voix petite, cette voix tranquille, you need to humble yourself. Tu dois t'humilier. It takes humility. Tu t'apprends l'humilité. To refuse everything. Pour refuser toute chose. And to catch that still small voice. Et de saisir cette petite douce voix tranquille. Those that make so many noise. D'autres font tourner des bruits. You are a daughter of God. You are a daughter of God. Tu es une fille de Dieu. You are a son of God. Tu es un fils de Dieu. Don't do that. Ne les fais pas. Remember what you listened to the church. Écoutez ce que vous avez écouté à l'église l'autre fois. Remember what you listened to the tape. Rappelle-toi ce que tu as entendu écouter dans les cassettes, dans les bandes. There's something tells you. Qu'est-ce que je t'ai dit maintenant? Oh, it's okay. I don't see any problem. Oh, je vois pas de problème. I can just do it. Je peux le faire. You have neglected that voice. Tu as négligé la voix. So you cannot say that God never spoke to you. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a jamais parlé. God speaks to everybody. Dieu parle à tout le monde. Somebody say amen. Quelqu'un va dire amen. God speaks to each one of you that are here. God has spoken to you. Chacun de vous qui est ici, Dieu vous a parlé. But many times. Mais plusieurs fois. You did not listen. Tu n'as pas écouté. Genesis chapter 22. Dans Genèse 22. This is the story of Abraham. C'est l'histoire d'Abraham. Oh my God, time is gone. No, I still have a 30 minutes about, yeah. So we start at 2. You said that too, eh? Right? I see I have 30 minutes. Yeah. It came to pass after this blessing that God did tempt Abraham, said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. He said, Take now thy son, thy only son Isaac, who thou lovest. You see? Oui. My conversion. Ma conversion. I heard a voice. J'ai entendu une voix. It was not an audible voice. Ce n'était pas une voix audible. A voice spoke to me. It was real. Et une voix m'a parlé, elle était réelle. In my heart. Dans mon cœur. It asked me the question. Ça m'a posé la question. Where would you be if you lived in the days of Noah? Où serais-tu si tu avais vécu à l'époque de Noé? I was not a Christian. I would say I was a Catholic. Je n'étais pas chrétien. Bon, je dirais que j'étais catholique. I lived my life like anybody else. J'ai vécu ma vie comme tout le monde. Actually, I was coming from a disco with friends we have organized at the December. Je venais même d'un disco que les amis avaient organisé au mois de décembre. And I was going back home. Alors j'ai retourné à la maison. And I got to the junction of a street there. Je suis arrivé à l'intersection d'une route. The voice started talking to me. La voix a commencé à me parler. Where would you be if you had lived in the days of Noah? Où serais-tu si tu avais vécu à l'époque de Noé? I didn't have the answer. Il n'y avait pas la réponse. The answer was outside the ark. The answer was outside the ark. La réponse était en dehors, à l'extérieur de l'arche. And the voice spoke to me. Et la voix m'a parlé. Get in the ark now. Entre dans l'arche maintenant. Because there is an ark on earth. Parce qu'il y a une arche sur la terre. What I'm trying to tell you, c'est ce que j'essaie de vous dire. It's the beginning of my Christian life. C'était le commencement de ma vie chrétienne. Did I have the Holy Ghost? Est-ce que j'avais le Saint-Esprit?
Alléluia. Amen. And you know what? Vous savez quoi? I was so scared. J'avais tellement peur. And I went to look for somewhere to pray. Et je suis allé chercher quelqu'un pour prier. And I did not know how to pray. Et je ne savais pas comment prier. I've never learned to pray. Je n'ai jamais appris à prier. I knelt down. J'ai été à genoux. I started crying. J'ai commencé à pleurer. The only thing that I said, la seule chose que je disais, Lord, forgive me. Seigneur, pardonne-moi. All night long. Toute la nuit. Until the morning. Jusqu'au matin. Lord, forgive me. Seigneur, pardonne-moi. Lord, forgive me. Seigneur, pardonne-moi. I was crying. J'ai pleuré. Then I went to the full gospel. Je suis allé au plein évangile. I went to the Pentecostals. Je suis allé chez les pentecôtistes. And one day, un jour, I was so fervent as a Christian, like I was so involved with the youth and everybody. J'étais un chrétien fervent impliqué dans praying la dans la vie des organizing jeunes. Organizing campaign in Bandal and everywhere. Je, I dedicate myself into it. J'organisais des campagnes à Bandal et fasting tout. For staying there for days and days. On gênait until your trousers cannot even hold anymore. On restait, on faisait des jeûnes des jours et des jours et les pantalons ne tenaient plus. But one day, et un jour, they gave me a book. On m'a donné un livre. The red flashing light of his coming. Le signal rouge de sa venue. When I read that book, quand j'ai lu ce livre, it was so deep. C'était tellement profond. And I remembered. Je me suis rappelé. The voice that spoke to me. La voix qui m'a parlé. I could tell the depth was the same. Je peux dire que la profondeur était la même. I said, this is not a man talking. J'ai dit ça, ce n'est pas un homme qui parle. This is God. J'ai dit ça, c'est Dieu. God speaks. Dieu parle. God has spoken to you many times. Dieu vous a parlé plusieurs fois. But you talk so much. Mais vous parlez tellement. You are so full with your own thoughts and opinions. Tu es rempli de tes pensées, de ton opinion. Until when that small voice comes. Jusque quand cette petite voix tranquille vient. You trample that voice down. Ah, tu pétines sur cette voix. With other voices. Avec d'autres voix. And that voice. Cette voix s'étouffe. Quiet itself. Et elle reste silencieuse. Alléluia. Amen. But I'm saying the message, thy seed shall possess the gates of his enemy. Dans le message, ta semence. Oh, listen to that still small voice. Écoutez cette petite voix tranquille. And come to the word. Et revenez à la parole. The word. La parole. You said, I heard a voice tell me this. Tu dis que tu as entendu une voix me dire ceci. But I'm said. If it's contrary to the word, si c'est contraire à la parole, it wasn't God's voice. Ce n'était pas la voix de Dieu. Well, if I come, I say, j'ai dit, je viens, j'ai dit. It's this small voice that spoken to me that Sister Joy is my wife. C'est la petite douce voix tranquille m'a parlé et m'a dit que la sœur Joyce est ma femme. Oh. Et oh là là. But she's married. Mais elle est mariée. To Brother Neville. Le frère Neville. How come? Oh, God spoke to me. Oh, mais Dieu m'a parlé. How can God speak to you? Comment Dieu peut te parler? About somebody's wife. Au sujet de la femme d'une it's autre personne. Contrary to God's word. C'est contraire à la parole de Dieu. Then you say, no, it's not God. Alors tu vas dire, ce n'est pas Dieu. So, when you hear a voice speak to you, quand tu entends la voix qui te parle, put it on the test. Mais testez cette parole-là. Maybe something tells you, peut-être que quelque chose te dit. Well, they were supposed to invite me long time ago. Ils étaient supposés de m'inviter, ça fait longtemps. Because they didn't invite me. Parce qu'ils ne m'ont pas invité. They just called me yesterday. Ils m'ont appelé hier. I'm not going. Je ne pars pas. Now, when you say you are not all that reasoning, quand tu fais ces raisonnements, is it you talking? C'est toi qui parles? Or God talking? Eh bien, c'est Dieu qui parle. If God talking, si c'est Dieu qui parle, you say, oh, brother, sister, I understand that. Non, frère, je comprends cela. And God said, you can just go, you are a Christian. Et Dieu dit, tu peux partir, tu es chrétien. Forgive and move on. Pardonne et va de l'avant. Don't make it a big deal. N'en fais pas un problème. Hallelujah. Amen. Then you move on. Alors tu vas de l'avant. But you see people, mais ils voient les gens. They hold on to things like that. Ils tiennent à des choses comme ça. They hold on. Ils détiennent. You are a Christian. Mais you tu are es sister, chrétien. You are brother. Tu es frère ou sœur. I don't like things like this. Je n'aime pas les choses comme ça. I like people to tell me in advance. J'aime que les gens me disent en avance. I like to know. J'aime savoir. I. Moi. Who are you? Mais qui es-tu? Abraham walked right up there to the voice, and still small voice to the word of God must take the life of his own son. What Abraham said, Abraham
heard a still small voice. Il avait écouté la petite voix, douce voix tranquille, qui lui demandait de sacrifier son fils. And he obeyed. Et il avait obéi. I'm asking the question. Je te pose la question. There's still small voice. Cette petite douce voix tranquille. Asking him to do something so difficult. Te demandant de faire quelque chose de très difficile. But you say, ah, mais tu dis, I can't do that. Je ne peux pas le faire. With all that they've done unto me. Avec tout ce qu'il a fait contre moi. I don't know if I can talk to them. Je ne sais même pas si je peux leur parler. And the voice said, et la voix te dit, go and talk to them. Va leur parler. Ah. Oh. And the pastor comes, et le pasteur vient, say the same thing. Dit la même chose. Go and talk to them. Va leur parler. You refuse. Et puis tu refuses. Because if you don't listen to that small voice, parce que si tu n'écoutes pas cette petite voix tranquille, une façon ou une autre, Dieu parlera même ici sur la chair. Because when we listen to a tape, mais quand tu écoutes une cassette, we don't want to listen to a tape like listening to the news or anything. On ne veut pas écouter une cassette comme si on écoute les nouvelles. On écoute pour que Dieu te parle. Alléluia. So when God speaks to you, alors quand Dieu te parle, so we can be two of us. On peut être à deux. Listen to the same tape. Écouter la même bande. But after the tape is over, mais à la fin de la bande, two different things God has spoken to each et nous avons reçu deux choses différentes like que Dieu nous a. I'm talking here, comme quand je parle each ici, one of you chacun de vous has to listen from God. Doit écouter de la part de Dieu. Not to say the pastor said, no. Pas dire le pasteur a dit. Today, aujourd'hui, I think God spoke to me. Je pense que Dieu m'a parlé on this, on that issue. Sur ceci et cela. Every time after preaching, chaque fois après la prédication, I ask my children, je demande à mes enfants, what did you receive from the Lord today? Qu'est-ce que vous avez reçu du Seigneur aujourd'hui? And each one will give me what they say. Et chacun va dire ce qu'ils ont dit. And you will see that each one have a different approach. Vous allez voir que chacun a because une approche différente. My children, j'ai dit à mes enfants, do not tell me that you say this, that. Ne me dis pas que tu as dit ceci, cela, cela. You'll be just like parrots. Là, tu seras comme des perroquets. I want to know, je veux savoir. What did God tell you as an individual? Dieu t'a dit comme individu. Because you have to receive a message from God. Parce que tu dois recevoir un message de Dieu. What did God tell you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? How do you relate your life with the word? Comment tu associes ta vie avec ta parole? As an individual. Comme individu. How do you relate your life with the word? Comment tu relis ta vie à la parole? La parole a été prêchée. How do you see yourself connected with that word? Quel in which aspect of your life? Quelle connexion tu as avec la parole? Dans quel aspect de ta vie? That's what I want to know. C'est ce que je veux savoir. That is a testimony. Ça, c'est un témoignage. Oh, that's where I can say somebody can say God spoke to me today. C'est là où quelqu'un peut dire que Dieu m'a parlé aujourd'hui. No, it's not. What did you preach today? Did I preach today? Qu'est-ce que j'ai prêché aujourd'hui? Oh, you preach on the still small voice. Tu as parlé sur la petite douce voix tranquille. We need to have a juniper tree. Comment on doit avoir le gêné? Yeah, you just repeat the things that I said. Là, tu répètes des choses que j'ai dit. But how do you relate yourself today? Mais comment tu t'es relié avec ça? You can tell me. I realize that what I went through this day or that day, God was trying to tell me. Je réalisais que quand j'étais avec ceci ou cela, answered my prayer. Et Dieu m'a répondu. He has given me a direction. Il m'a montré la direction. On how to continue from this point. Comment avancer de ces deux aujourd'hui, et c'est ça que je cherche. I'm not interested to know people just repeating it. Je ne suis pas intéressé à savoir que les gens répètent. You have to relate yourself to the word. Mais tu dois te relier à la parole. You have to have a personal relationship with the word. Tu dois avoir une relation personnelle avec la parole. Where the word tells you things that are personal. Où la parole te dit des choses qui sont personnelles. Amen. And you're not here. Et tu n'es pas ici. To relate to the word for somebody else. Pour relier la parole pour une autre personne. Oui. You heard. Oh, il a entendu. You heard that. Il a entendu. That was a good one for ça, him. C'était un bon pour lui. That was a good one. Ça, c'était un bon. A good one for her. Un bon pour elle. Many times couples. Souvent les couples. Yes, pastor, preach. Oui, pasteur, prêche ça. Preach. Prêche cela. Preach it, pastor. Prêche, pasteur. Tell him. Dites-lui. Tell him. Dis-lui. Like some people back home in the Congo there. Comme des gens au pays là-bas. You are preaching. Tu prêches. Instead of saying amen to the word. Il dit amen à la parole. Tell the pastor. Il dit au pasteur. Tell them. Dites-leur. Yes, tell them. Oui, dites-leur. But you. Mais vous. Mais vous. You. Mais vous. You always not tell them. The word is you, a relation, a mais, personal relationship. Mais ta relation avec la parole. Say amen, that's the truth. Dis amen, c'est la vérité. Say, yes, tell them. Oh, va leur dire. Tell them. Dites-leur. Tell them. Oh, dites-leur. I say, that's not how you should respond ce to n'est the pas word. Comme ça on devait répondre à la parole. You're not telling the pastor to tell people.
Tu n'es pas passé dire aux gens. To you as an individual. Les pasteurs te prêchent. Tell me more. Dis-moi plus. Pastor, tell me more. I want to hear that. Pasteur, parle-moi tell en me plus. More. I want to hear that. Parle-moi en plus. But not tell them. Bah, dis-leur. These are people bringing distraction in the church. Ce sont des gens qui apportent des distractions dans l'église. I don't. Yeah, that brother is spiritual. That's fine. Oh, c'est frère là spirituel. That's non. My way of seeing it. Ça, c'est ma façon de le voir. So Abraham. Alors Abraham. Listen to that small voice. Avait écouté la petite douce voix tranquille. You know there was a, was that Elisha? I forget. C'est moi. God told him to go and eat the dung of a cow. Dieu lui avait demandé d'aller manger les excréments d'une vache. Yeah. God said, take the dung of a cow. Dieu lui a demandé d'aller manger les excréments it. D'une vache et, it. Et cuire ça comme du pain. And eat it. Et manger, faire une pâtisserie de. This is too hard. Oh, ça c'est trop dur. I can't. Je ne peux pas. I've never eaten something like Je n'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. God can ask you to do things. Dieu don't expect God to tell you things that you like. Ne t'attends pas que Dieu te dise des choses que tu aimes. No. No. God is not interested to tell you things that you like. Dieu n'est pas intéressé à te dire des choses que tu aimes. God is interested to tell you the things that He wants you to know. Dieu est intéressé à te dire des choses qu'il Whether veut you que don't tu like saches. It, but He wants you to know it. Même tu ne l'aimes pas, il veut que tu le saches. Even tells you if you don't repent, I'll send you to hell, and he wants you to know it. Whether you do wanna, you want to hear it or not, he wants you to know that. Et il te dit même si tu te repens pas, je t'envoie en enfer. Même si tu ne veux pas l'entendre, mais il te le dit. The word of God when it's preached. Quand la parole de Dieu est prêchée. For some people, it's unto salvation. Pour d'autres personnes, c'est le salut. And those who reject salvation. Et ceux qui rejettent le salut. For them, it's for judgment. Pour eux, c'est pour le jugement. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 9. 1 Samuel 3. And the Lord called Samuel again, the third time. And he rose and went to Eli and said, Here I am, here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went, lay down to his place. You know that scripture? Vous connaissez cette écriture de Samuel? What about I'm said? Quand même dit, it was a still small voice. C'était la petite douce voix tranquille. Oui. Look at what it did in the lives of the people in the Old Testament. Regarde ce qu'il a fait dans la vie des gens dans l'Ancien Testament. In a message, hear his voice. Dans le message, écoutez sa voix. And Samuel said, Eli, did you call me? Et Samuel dit, Eli said, No, my son, I never called you. That wasn't me that spoke to your heart. It was not me that spoke to your heart. C'était pas moi qui avait parlé à ton cœur. That was God. Just speak back and say, Thy servant heareth. And take me into your care today. God, let me from this day be wholly thine. Eternal God, lover of the soul and creator of all things. Well, that still small voice of God that spoke to Samuel. That spoke to Saul, that spoke to Peter, that spoke to Daniel, that spoke to Isaiah the prophet, and all down through the ages has spoke again this morning in the tabernacle. Cette petite douce voix tranquille qui a parlé à tous ces prophètes là a parlé aussi aujourd'hui. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? There's still small voice. La petite douce voix tranquille. You have heard it many times. Vous l'avez entendu plusieurs fois. You can't tell me that you never heard. Vous pouvez pas me dire que vous l'avez jamais entendu. Even when you are in trouble with other people, même quand vous êtes dans des problèmes avec d'autres gens, and you are disappointed, et tu es déçu, the still small voice has spoken to you to warn you. La petite douce voix tranquille t'a averti plusieurs fois. Don't you see that you've got too angry? Et tu peux voir que tu es vraiment trop fâché. Calm down a little bit. Essaie de te calmer. But it's so small. Et c'est tellement, elle est tellement petite. You don't listen it, you are also taken by the circumstances around you. Tu es tellement pris par les circonstances de la vie. And you don't want to listen to that voice. Tu ne veux pas écouter la voix. It says, Eddie. Luke chapter 2, verse 36. Luke 3, 36. Frère Branham spoke of Anna. Frère Branham parlait de Anne. A prophetess, the daughter of Phanuel,
of the tribe of Asher. She was a great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. Hallelujah. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spoke of him to all of them that looked for redemption in Jerusalem. What I'm saying, the message, God's preparation. I can hear her testifying for someone, to someone. Je pouvais l'entendre témoigner pour quelqu'un. Just then the Holy Ghost said, Anne, stand up. Jusque là, le Saint-Esprit a dit, Anne, mettez-vous. He is in the temple. Il est dans le temple. He said, where is he, Lord? Où est-ce qu'il est, Seigneur? What I'm saying here. From DC. She heard that still small voice speak in her heart. Elle a entendu la paix du soir tranquille parlant dans There's son cœur. Still small voice. La paix du soir tranquille. Identify the Messiah in the temple for Anna. Avait identifié le Messie dans le temple pour Anne. I believe that there's still small voice. Je crois que la paix du soir tranquille. Can identify your husband. Peut identifier ton mari. Can identify your wife. Peut identifier in ton épouse. In the midst of so many sisters. Parmi plusieurs sœurs. There's still small voice. La paix du soir. Can identify identifier the wife for you. Ta femme pour toi. There's still small voice. Can identify a brother for you. Peut identifier un frère pour toi. In the midst of so many brothers. Parmi plusieurs frères. The only thing. La seule chose. If you exercise yourself. Si tu t'exerces. To listen to that voice. Pour écouter la voix. Because how would you know that it is God? Parce que comment tu vas savoir que c'est Dieu? If you did not exercise yourself. Si tu n'es pas entraîné à écouter cette voix. How can you? Comment tu pourras? You have a problem with your husband. Tu as un problème avec ton mari. You have a problem with your wife. Tu as un problème avec ton épouse. You have a problem with your family. Tu as un problème avec ta famille. Or with people around you. Avec des gens. Or even at work. Même au travail. If you are not exercised. Si tu n'es pas entraîné. To listen to a still small, that's a small voice. Pour écouter la petite voix tranquille. How are you going to say God is leading you? Comment tu vas dire que Dieu te conduit? Hallelujah. Amen. Amen. The still small voice. La paix douce voix tranquille. Is your victory. C'est ta victoire. Abraham said in the message, "What dost thou hear?" Le message, qu'est-ce que tu entends? He said, "Let's get that still small voice." Qu'on puisse avoir cette paix douce voix tranquille. He said, "That something that puts the cream in the life." C'est quelque chose qui met de la crème dans la vie. That something that though you speak with tongues of men. C'est une chose, même si tu parles avec des angels, tu parles en langue, have not that, les hommes et les anges, et les anges n'ont pas ça, you are nothing. Vous n'êtes rien. Though you can prophesy and speak with tongues and show signs and wonders and work miracles, même tu peux prophétiser, parler en langue, and do great signs, et faire de grands signes, but if that little still small voice isn't there, si, you are nothing. Si cette petite douce voix tranquille n'est pas là, alors tu n'es rien. Is that me saying it? C'est moi qui l'ai dit. If that still small voice is not there, you are nothing. Si cette petite douce voix tranquille, elle n'est pas là, alors tu n'es rien. How can you, in this confused world, dans ce monde de confusion, when everybody wants to be sexy, où tout le monde veut être sexy, so God doesn't speak to you? Alors Dieu ne te parle pas? To tell you that, pour te dire, no, you are a daughter of God. Que tu es une fille de Dieu? Don't do it. Ne fais pas ça. So God don't speak to you? Alors Dieu ne te parle pas? No, he has spoken to you. Non, il t'a parlé. But you didn't listen. Mais tu n'as pas écouté. What if you do not listen to God? Mais si tu n'as pas écouté if Dieu. If you do not exercise to listen to him. Si tu n'as pas été entraîné à l'écouter. Now when you get married. Alors quand tu es marié. How would you know that God has spoken to you about the man you're marrying? Comment sauras-tu que Dieu t'a parlé aussi de l'homme que tu vas épouser? When you'll be in trouble. Quand tu seras dans un problème. How would you know that God has spoken to your heart? Comment tu sauras que Dieu a parlé à ton cœur? The still small voice. La petite douce voix tranquille. Won't tell you the things that you like. Ne te dira pas les choses que tu aimes. Amen. Not necessarily. Pas nécessairement. Oui. Merci pour les clés. Alléluia. Amen. When I got married, I went through that experience myself. Quand je me suis marié, j'avais traversé l'expérience moi-même. A voice spoke to my heart. Une voix a parlé à mon cœur. You know, one day I went to pray. Vous savez, un jour, je suis allé prier. I said, Lord, today I want to see you. Seigneur, aujourd'hui, je vais te voir.
I went away from home. Je suis allé loin de la maison. To hide myself somewhere. Je me suis caché quelque part. I spent the first night. J'ai passé la première nuit. The second night. La deuxième nuit. The third day. Le troisième jour. Fasting, not eating anything. J'ai jeûné, je mangeais rien. While praying. Pendant que j'ai prié. Oh, I tell you. Je vous dis. A cricket. C'est-à-dire qu'il y avait un grillon. Came and interrupt my prayer. Un grillon est venu interrompre pour ma prière. He just came. Il venait partout me déranger. I stopped my prayer. J'ai arrêté la prière. I get back to pray again. Je suis allé me. It came to stop me again. C'est venu m'interrompre encore. You won't believe me. Tu ne peux pas me croire. But that was the day. Ça c'était le jour. That I wrote the certificate of death. C'est le jour que j'avais écrit les certificats de mort. Because I had so many things written. Parce que j'avais tellement de choses écrites. I was asking God. Que j'ai demandé à Dieu. That was the day. Ça c'était le jour. I took that paper. J'ai pris ce papier. I folded it. Que j'avais I said, this day. J'ai dit ce jour. This man. Cet homme. Is dead. Il est mort. I wrote on top. J'avais certificate of death. Certificat de décès. And I stapled it in my block note. Et j'avais scellé ça dans mon notebook. After 10 years or more. Après 10 ans plus tard. I was already married. J'étais déjà marié. And I was in Uganda. Et j'étais en Uganda. And a brother went to the Congo. Et un frère qui était au Congo. I asked him, can you ask my family to send, you can bring some of my stuff. Et tu peux demander à ma famille de m'envoyer mes choses. And they sent me that block note that had dreams and inspirations, and then there I found the certificate of death. Et ils m'ont envoyé mon document où j'avais mis toutes ces choses, et puis j'ai trouvé le certificat de mort. Am I going to open this or not? Je vais ouvrir ça ou non? I decided not to open it. J'avais décidé de ne pas l'ouvrir. I asked my wife to read it. J'ai demandé à mon épouse de le lire. She was not there when I was praying. Elle n'était pas là quand je priais. We are not even married. On n'était même pas mariés. I was single. J'étais célibataire. But I asked, can you read, tell me if that's the man that I am? Tu peux lire et puis me dire si je suis l'homme qui est là-dedans. He told me, no, I don't see anything. Et je ne vois pas quelque chose comme ça ici. God answers prayer. Dieu répond aux prières. Maybe you don't see it. Peut-être tu ne le vois pas. But you don't keep record. Mais tu ne gardes pas comme d'enregistrement. You don't keep record. Tu n'enregistres pas ça. But God answers prayer. Mais Dieu répond aux prières. But when there's still small voice. Voilà, me dit la paix douce, pas tranquille. He said, God send us this still small voice. That's what we need. Dieu, envoie-moi cette douce, douce voix tranquille. Said, listen, brother. C'est dont on a besoin. We need that still small voice. Écoutez, frère, on a besoin de cette voix qui parle. We need it. On en a besoin. See, it's that still small voice that speaks down in your heart. C'est cette petite douce voix tranquille qui parle dans ton cœur. That changes every attitude. C'est qui change toute attitude. Makes the nature different. C'est qui met la différence and dans la nature. And you become a new creature in Christ. Et tu deviens une nouvelle créature en so Christ. So for you to come to the new birth. Alors pour que tu viennes à la nouvelle naissance. For you to come to the new creation. Devenir la nouvelle you création. You need to listen to that small voice. Tu dois écouter la petite voix tranquille. When you obey that small voice. Et quand tu obéis à cette voix. It changes your nature. Il va changer change ta nature. Your life. Changer ta change vie. Change your attitude. Changer ton change attitude. Everything around you. Changer tout autour de vous. That's what you need. C'est tout ce dont vous avez besoin. I want you to know today that God stands by you every day you live. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que Dieu est autour de vous chaque jour que vous vivez. Don't think God is absent. Ne pensez pas que Dieu est absent. Don't wait for the earthquake. N'attendez pas le tremblement de terre. Don't wait for the anointing. N'attendez pas l'onction. Oh, I feel something. Oh, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Oui. Je sens quelque chose. No, I believe that God is here. Je crois no. que Dieu est ici. Non, 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 non. Oh, I see fire, fire. J'ai vu le feu. J'ai vu le feu. But you see the fire, you see beating your wife. What that fire is done? Mais tu vois le feu, tu continues à battre ta femme. Qu'est-ce que le feu avait? You see the fire, you see watching pornography. What the fire is done? Tu as vu le feu, mais tu continues à regarder la pornographie. Mais qu'est-ce que le feu a fait? You see the fire, you see doing things that are evil. Tu as vu le feu, mais tu continues à faire des choses méchantes. Tu vois ce que je dis? If you listen to that small voice, si tu écoutes cette petite voix tranquille, in your life. Elle va apporter des changements dans votre vie. Dieu parle. He can guide you.
et elle peut te guider. He led Anna with a small voice to identify the Messiah in the temple. You know how many babies were brought in the temple for dedication? How many babies? Vous savez combien de bébés étaient apportés? Because they used to bring babies to the temple. Parce qu'ils amenaient les bébés au temple. After the eighth day. Après, so, so many babies were being brought to the temple. Beaucoup de bébés, plusieurs bébés étaient amenés but au temple. But a small voice. Mais la voix du petit ange identified Christ for Anna. Avait identifié Christ pour Anne. As they say, you don't need to be born again, baptized with the Holy Ghost. Comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Même parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu leur parle. So that reason, if God speaks to you, alors c'est pour cela quand Dieu te parle, there will be things that will be changed in your life by yourself. Il y aura des choses qui vont changer dans ta vie par toi-même. Nobody has to push you. Personne ne va te pousser. Things changing, les choses changent, attitudes, les attitudes, behavior, les comportements. Amen. Amen. And that's a small voice will tell you the word. Et cette petite douce voix tranquille te dira la parole. They tell you we have service on Friday. On te dit on a service vendredi. And that same Friday, demain vendredi, you take an appointment. Tu prends un rendez-vous. And they say I can't come to church because I have an appointment. Alors tu dis je peux pas venir à l'église parce que j'ai un rendez-vous. But when you were taking the appointment, mais quand tu prenais le rendez-vous, did you hear the small voice tell you that you have church on Friday? C'est la petite douce voix tranquille ne t'a pas dit qu'on a église le vendredi. Can you put the appointment another day because Friday I can't come because I have service? Non, est-ce que tu peux pas mettre le rendez-vous un autre jour parce que j'ai service? But you take appointment, you don't care. Tu prends le rendez-vous, you think God doesn't speak to you? Tu penses que Dieu ne te parle pas? Certainly. Certainement. The voice has spoken to you, said. Friday service night. Parce que la voix t'a parlé certainement que but vendredi soir. The voice. Mais tu as ignoré la voix. You said no. Je dis non. I'll keep on with my appointment. Je vais avancer avec mon and rendez-vous. You miss church. Et tu manques l'église. You are not obedient. Tu n'es pas obéissant. Because it's a small voice. Parce que la petite douce voix tranquille. Is what will bring you to that depth of relationship with Christ. C'est ce qui va t'amener dans cette profondeur de relation avec Christ. Yeah. I don't know how I can express this. Je ne sais pas comment je what am I said? What hearest thou? Qu'est-ce que vous entendez? Depends on what you are listening for, friends. Ça dépend de ce que vous écoutez. What are you listening to? Mais qu'est-ce que vous écoutez? Oh, people say this one, say this one, say. People l'autre say, dit, celui-là dit. Oh, this one, social media. Les médias sociaux, les amis, des choses comme ça. That's what you're listening to. C'est ce que vous écoutez. But do you mean that the still small voice doesn't speak to your heart? Mais vous voulez dire que la petite douce voix tranquille ne parle pas à votre cœur? But I'm saying it's operated the power of God. Faut dire que c'est opéré par la puissance de Dieu. It's operated the power of God. Ça opère la puissance de Dieu. Because when you listen to it, parce que quand vous l'écoutez, and you obey it, et tu obéis, so the power of God is going to enter into operation. La puissance de Dieu entre en opération. Changes of attitude, changes of life, la vie, changes of mentality, la mentalité change. Changes and changes changement, and changes. Changement. And from day to day is changing me because jour, I'm able to listen to that still small voice. Et mais change jour après jour parce que je suis capable d'écouter la petite douce voix tranquille. The preacher comes and they preach you, they told you. Les when the prêches, word comes, the preacher comes, the church must stand. Quand le prédicateur arrive, c'est la parole vient, l'église doit se mettre debout. Les gens sont assis. I've seen people dancing yesterday there. J'ai vu les gens danser hier. At the wedding. Au mariage. But when we sing in the church. Mais quand on chante à l'église. They can't even stand. Ils ne peuvent même pas se mettre debout. Just to stand to clap their hands. They même, don't stand. Même se lever pour frapper les mains. But look yesterday. Mais hier. Everybody. Tout le monde. C'était comme ça. Tout le monde était là dans la danse. Everybody. Tout le monde. Everybody. Tout le monde était là-dedans. No, we are in the church. Maintenant, on est à l'église. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. Where there should be joy. Où il y aura la joie. You think the joy of the wedding of yesterday is greater than the joy of the Lord? Vous pensez que la joie du mariage hier c'était plus grand que la joie du Seigneur? And you are sitting here. Et tu es assis ici. People are singing. Les gens chantent. You are even. Tu es en train de dormir. You are in the church. Tu es dans l'église. You are not even connected in the spirit. Tu n'es même pas connecté en esprit. Go to the ball game. Allez, va au match au stade. And see how they do. Et regarde comment ils font. They cheer. Et ils sont en train de crier, ouais. Ils crient déjà. Ils font du bruit. Ils crient.
while the ball game is going on. Pendant que le match, but you're in the church. Mais toi, tu es dans l'église. People don't say amen. Les gens ne disent pas amen. People are praying. They are praising the Lord. Les gens louent l'Éternel. They can't even clap their hands. Ils peuvent même pas frapper les mains. They can't even clap. They are tired. Ils sont fatigués. They are tired until they can't even clap their hands. Ils sont fatigués tellement qu'ils ne peuvent pas frapper they les mains. They can't clap their hands. Ils peuvent pas frapper les mains. They can't. Ils ne peuvent pas. Oh my God. Oh là là. They have to tell you clap your hands. On doit leur frapper les mains. They're in the church. Dans l'église. They can lift up their hands. Ils peuvent pas lever leurs mains. In the spirit. En esprit. Of adoration. Adoration. Of worship. Adoration. Oh God. Louange. I need you, Lord. Oh, je veux de toi, Seigneur. No. Mais ils ne font pas ça. What's happening with you, my friend? Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis? In Africa. En Afrique. People that have no money. Les gens qui n'ont pas l'argent. They don't have what you have here. Ils n'ont pas ce que vous avez. They don't have the houses that you have. Ils n'ont pas les maisons que vous avez. You have everything. Vous avez tout. You have the house. Vous avez la maison. You have cars. Vous avez les voitures. You have jobs. Vous avez le travail. You eat every day. Tu manges chaque jour. Over there, people don't even eat. Là-bas, les autres ne mangent pas. They go to school. Ils vont à l'école sans chaussures. But when they go to church, mais quand ils vont à l'église, they stand. Ils se mettent debout. They praise the Lord. Ils louent l'Éternel. You shall be judged. Vous serez jugés. The same way the queen of Sheba. La même façon, la reine de Sheba. Frère m'a dit, c'est pas se lever. Vous condamnez les gens. We have Cadillacs. Nous avons des Cadillacs. We have nice homes. Nous avons des we maisons. Have churches with the AC. Nous avons l'église avec les climatisés. Et les gens là-bas. They worship the Lord under the trees. Ils adorent l'Éternel sous they les arbres. They don't have a church. Ils n'ont pas l'église. With the AC like you guys. Avec les climatisés comme ça. And they praise the Lord. Ils louent l'Éternel. And you are here. Et vous êtes ici. Dead. Mort. The Lord be merciful. Que le Seigneur soit miséricordieux. You can't hear this too small et voice. Tu ne peux même pas écouter. Sois tranquille, parle à ton cœur. But you're excited about other stuff. Mais vous êtes excité d'autres choses. The voice that you hear. La voix que vous entendez. Is the voice of other stuff. C'est la voix des autres choses. They get you excited. Tu es excité. The young people, they have the other voices they listen to. Les jeunes gens, ils écoutent d'autres voix. When they gather together. Quand ils sont ensemble. You don't even talk about the word. Vous parlez même pas de la parole. Oh, I was reading what Brabham said in the message. So I read this. J'ai lu ceci dans ce that's what happened to my youth. C'est ce qui est arrivé quand j'étais jeune. Oh, Brabham said the quote this message that message this. Frère Brabham a dit ceci dans we'll le message. The quotes of on en parlera. It was not to defend the doctrine of anybody. We want to understand more the things that the prophet. Ce n'était pas défendre les doctrines des gens, mais c'était comprendre. Where are the youth? Où sont la jeunesse? That will rise and read the message qui like va, that. Qui va s'élever lire les messages comme ça? We are caught with the internet and different things and on est attrapé and là, on est dans l'internet. Your hearts and until you lost even interest in the things of God. Et vous suivez votre cœur jusqu'à ce que vous perdez intérêt dans les choses de Dieu. And yet, a small voice speak. Et malgré ça, la paix douce soit tranquille parle. But you are not listening. Mais tu n'écoutes pas. You can't tell me God doesn't speak to you. Tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. God speaks to you. Dieu te parle. Everybody. Chacun. Whoever you are. Ou qui que tu sois. I just want you to testify that. Can you just raise your hand to testify that God has spoken to you many times? Est-ce que vous pouvez lever la main et dire Dieu m'a parlé plusieurs fois? God is real, my friend. Dieu est réel, mes amis. You can't say that God doesn't speak. Tu ne peux pas dire que Dieu ne parle but pas. I want you today to say, Lord. J'aimerais que tu dises aujourd'hui. Help me to exercise my faith. Aide-moi, Seigneur, à exercer what ma foi. What I've said. Frère me dit. The Hebrews children. Les enfants hébreux. Heard a still small voice. Avaient écouté la petite voix tranquille. The hero's faith that you see in Hebrews chapter 11. Le héros de la foi que on voit dans Hébreux. Heard a still small voice. Ils ont entendu la petite voix tranquille. Now I want to tell you. Mais maintenant je vais te dire. If you listen to that still small voice. Si tu écoutes la petite voix tranquille. You will be the next on the list of those heroes of faith. Tu vas être le prochain sur la liste des héros de la foi. Because it's this small voice parce que la petite voix will operate the power of God in your life. Va opérer la puissance de Dieu dans ta you'll vie. Be counted as one of them. Et tu seras compté parmi eux par la foi. Sister so and so. Telle sœur. God spoke to her. Dieu lui a parlé. And she did this. Et elle avait fait by faith. Par la foi. Brother so and so. Frère tel. God spoke to him. Dieu lui a parlé. And they did this. Et elle avait by faith. Par la foi. By faith. Par la foi. God spoke to them. Dieu leur a parlé. This is what Brother Bam said about the Hebrew children. Voici ce que Frère Branham dit au sujet des enfants. Now there was a time down in Babylon. Il y avait when, un when there was an image set up. Pretty type of the Catholic Church. Là, il y avait une image qui a été établie comme le type de l'Église catholique. And all that did not bow down et that, that image qui ne s'inclinait pas devant l'image would be burnt in the fire furnace. Était brûlé dans la fournaise ardente. Now it was a showdown. C'était une démonstration de force. Whether they were going to stay
Ou bien tu vas t'y aller rester. When God said, "Thou shalt not have any God before me." Alors que Dieu a dit, tu ne devais pas avoir un autre Dieu devant moi. The shadow came. Et la démonstration est arrivée. Okay. All the rest of Israel fell right in. Le reste d'Israël, tout le reste d'Israël est tombé. Everybody failed. Tout le monde avait failli. Oh, we should have sexy clothes. Oh. Everybody went in. On doit avoir les habits sexy. Tout le monde a accepté. Tout le monde a failli. Movies, Netflix. Les films, il y a les Netflix. Okay, tout le monde est parti. We brought cinema in our homes. On a apporté le péché dans la maison. Cinéma. Le cinéma dans la maison. And when the trumpet sounded, et quand la trompette a sonné, and the psaltery sounded and the flute sounded, well, they all fell down before this image. Quand la trompette a sonné et tous cela, toutes les personnes sont tombées devant l'image. Now listen. Maintenant écoutez. But there were three of them. Mais il y en avait trois d'entre eux. That said nothing. Qui ont rien dit. They heard. Ils ont entendu. That still small voice. La petite voix tranquille. And they stay in line with the word. Ils sont restés en ligne avec la parole. What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Stayed with the word. Ils sont restés avec la parole. The Hebrews children. Les enfants hébreux. The still small voice told them. La petite voix tranquille leur a dit. Don't bow down. Ne vous inclinez pas. It did operate the power of God. Et ça a opéré la puissance de Dieu. Those days, souvenez-vous dans ces jours, they did not have the Holy Ghost. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Because the Holy Ghost, parce que le Saint-Esprit was not yet given. N'était pas encore donné. You believe that? Est-ce que vous croyez cela? But they heard a still small voice. Mais ils ont écouté la petite voix tranquille. Do not bow down. Qui leur demandait de ne pas s'incliner. They took them to the fiery furnace. On les a amenés à la fournaise ardente. By faith. Juste par la foi. In that still small voice. Dans la petite douce and voix when tranquille. They went there inside. Quand ils étaient dans le feu. Down. Dieu est descendu. And they became heroes of faith. Ils sont devenus les héros de la foi. But what did they hear? Mais qu'est-ce qu'ils avaient entendu? A still small voice spoke to them. La petite douce voix tranquille leur parle. Even if you know what the word of God says. Même si tu sais que la parole de Dieu sait, dit. It's not enough. Ce n'est pas assez. Even if you know that God heals. Même si tu sais que Dieu guérit. It's not enough. Ce n'est pas assez. It must come to your heart. Ça doit venir à votre cœur. I am your God. Je suis votre Dieu. I am your healer. Je suis votre guérisseur. When you are so troubled, quand tu es tellement troublé, he comes, il vient with a still small voice, avec la petite douce voix tranquille and he tells you, et il te dit, I am your peace. Je suis votre paix. When you are all tore up, you don't know what to do, quand tu es déchiré, tu sais quoi he faire. Comes, il vient. Be patient. Sois patient. He speaks. Il parle. I'm going to finish it up here. Je vais finir ici. He said, when he began to speak, there was something about him that was different from any priest that preacher ever heard. Quand il a commencé he was talking about. But brother, when you once sat still enough and listen, quand tu vas pas rester assez silencieux, écouter, till you can hear that small voice of Christ. Jusqu'à ce que tu écoutes la petite douce voix tranquille de Christ. He said, it's different from any message you ever heard in your life. Et c'est différent de n'importe quel message que tu as jamais entendu dans ta vie. Oh, what I'm saying this. Le frère m'a dit ceci, j'ai écouté. What I'm said. Le frère m'a dit. The still small voice. La petite douce voix tranquille. If you can hear it. Tu peux l'écouter. It's different from any message you ever heard in your life. C'est différent de n'importe quel message que tu as jamais écouté dans ta vie. It brings a peace. Ça apporte la paix. It brings satisfaction. Ça apporte la satisfaction. It does something to you. Et ça te fait quelque chose. That stirs your innermost being. Qui secoue ton être en intérieur de toi. That's what that still small voice do. C'est ce que ça fait de voix tranquille fait. Alléluia. Amen. He spoke to Moses. Il a parlé à Moïse. He said, "You are a child of God." Tu es un enfant de Dieu. But I'm saying, if you are a child of God, si tu es un enfant de Dieu, you will know. It's his voice. Tu sauras que c'est sa voix. Because if your father speaks, you have to recognize the voice of your father. Si ton père parle, tu dois reconnaître la voix de ton père. I could be in my bedroom. I say, Fidel. You know this is dad calling. Mais même si je suis dans ma chambre, je dis Fidel. Il sait que c'est papa qui appelle. You have to recognize the voice of your daddy. Tu dois reconnaître la voix de ton père. And God is your father. Et Dieu est ton père. When he speaks, you have to recognize his voice.
Quand tu parles, tu dois reconnaître sa voix. Abraham, c'est pour ça Abraham. He recognized it was the father talking to him. Il avait reconnu he c'était said, le père. Son, go and sacrifice him. Il prend ton fils, va le sacrifier. He didn't say, oh, that's the devil. Il n'avait pas no, dit que c'est le diable. It was God. Il savait que c'était Dieu. Because he knew the voice of his father. Parce qu'il connaissait la voix so de son what, père. What I'm saying, if you are a child of God, quand si tu es un you fils de know Dieu, his voice. Tu dois connaître sa voix. You see, my sheep hear my voice. Il dit, mes brebis entendent ma voix. And the voice of stranger, they will not follow. Et ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Alléluia, let us stand. On peut se lever. I want to encourage you, brother and sister, today. Je vous encourage, frères et sœurs, aujourd'hui. To know that. De savoir. After the Mount Carmel. Après le Mont Carmel. There's the juniper tree. There is a juniper tree. Il y a le gêné. And after juniper tree. Et après un gêné. There's the cave. Il y a la cave. He's the same yesterday. Il est le même hier. Today and forever. Aujourd'hui et éternellement. He spoke yesterday. Il a parlé hier. He speaks today. Il parle aujourd'hui. He will speak tomorrow. Il va parler demain. I want you to know. J'aimerais que tu saches. That God always stood by you. Que Dieu a toujours été à tes côtés. He has always spoken to you. Il t'a toujours parlé. Always. Toujours. Don't say you have never heard God. Ne dis pas que tu n'as jamais entendu Dieu. He has spoken to you many times. Il t'a parlé plusieurs fois. But you did not stay quiet enough to listen. Mais tu n'es pas resté assez silencieux pour écouter. My sheep know my voice. And I want you today. J'aimerais qu'aujourd'hui. To say, Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Humble my heart. Humilie mon cœur. That I may listen. Que je puisse écouter. That still small voice. Cette petite douce voix tranquille. Teach me to quieten myself. Enseigne-moi à me garder silencieux. That I may hear your voice. Que j'écoute la voix. Let's sing.
voice unto the Lord. Élevez vos voix vers le Seigneur. Did God speak to you today? Est-ce que Dieu te parle aujourd'hui? Maybe you are under the juniper tree. Est-ce que vous êtes sous un juniper? Maybe you are in the cave. Peut-être vous êtes dans la cave. Humble yourself before God. Humilie-toi devant Dieu. And speak to the Lord. Et parle au Seigneur. With depth of your heart. Avec la profondeur de votre cœur. Speak to the Lord. Parle au Seigneur. Say, Father, many times I haven't listened to that small voice. Père, plusieurs fois je n'ai pas écouté cette petite voix. Many times I have rebelled myself against you. Plusieurs fois je me suis rebellé contre toi. But Lord, humble my heart, I pray. Humilie mon cœur, je prie. I want the power of God to be operating in my life. Je désire que la puissance de Dieu opère dans ma vie. And I've just learned about the power of that small voice. Que je puisse apprendre la puissance, parce que je viens d'apprendre la puissance. De cette petite voix tranquille. Aide-moi. Keep on praying. Continue à prier. Take your time and pray. Prenez votre temps et priez. Just be as sincere as you can. Soyez seulement sincère. Lift up your voice unto the Lord now. Et élevez vos voix. As I continue to hammer this song. Je vais continuer à chanter. Keep on praying. Praying and go not astray. Tell him, Lord, how you feel. They love me because I have made my choice and they follow my call. Oh, my sheep know my voice. My sheep know my voice. And the pastures of green, where lead him so often to faith. My sheep know my voice, and the cool sparkling stream, where beside still waters I lead. My sheep know my voice, and day by day speaks to you. In the fall, they go not astray. They love me because I have made my choice and they follow my call. Oh, my sheep know my voice. My sheep know my voice. And the valley of death, through which I shall lead them someday. But no danger, no harm can touch one of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and by day, in the fall and go not astray. They love me because I have made them my choice and they follow my call. My sheep know my voice. Yes, Lord. My sheep know my voice. Day by day, they cannot go astray.
because they can listen to that voice. Day by day, Lord, you speak to us. Oh, Father, humble our hearts, Lord. Take pride away, but humble our hearts. Father, take stubbornness away, but humble our hearts before you, that we may listen to that still small voice. It's a very little, still small voice. Oh, God, it can just pass over our head without noticing it. But, Lord, we need humility. Help us, Lord, to quieten all other voices. To listen to your voice, oh God. Day by day, Lord. Let that voice keep us in the fold. Hallelujah. Because you have made us your choice. Oh, Lord, help us exercise our faith to listen to that still small voice. Oh, God, grant it, Lord Jesus. My sheep know my voice and the path that I take. They follow wherever I go. Tu es sous le génie. Or maybe in the cave. Peut-être dans la cave. You want to listen to his voice. Tu veux écouter sa voix. Day by day. Jour après jour. To keep you in the fold. Pour te garder dans son pâturage. So you may not go astray. Pour que tu puisses pas from the sheepfold. Te garer de la bergerie. If you want him to remember you. Si tu veux qu'il se souvienne de toi, why don't you just raise your hand? Lève simplement la main. To him and tell him, Lord, pass me not today. Vers lui que le Seigneur ne passe pas. Pass me not, gentle Savior. Ne me passe pas, toi qui es gentil Sauveur. Remember me today. Souviens-toi de moi. I want that still small voice.
Lord, help me under my juniper tree. Aide-moi dans mon sous mon gêne. To trust you. D'avoir confiance en toi. Because you are the God of the mountain. Parce que tu es le Dieu de la montagne. And you are the God of the valley. Tu es aussi le Dieu de la vallée. When things go wrong. Quand les choses vont mal. You are still the same God. Tu es le même Dieu. Heavenly Father. Père céleste. You can see your children that have raised their hands. Tu peux voir tes enfants qui ont levé leurs mains. They did not raise it unto me. Ils n'ont pas levé vers moi. They have humbled themselves today. Ils sont humiliés même. Before you. Devant toi. Because you have spoken to their hearts. Parce que tu as parlé au cœur. Lord. Seigneur. I'm standing here to raise their prayer requests before you. Je me tiens ici pour lever ces requêtes de prière devant toi. Some of them may be on the juniper tree today. Certains d'entre eux sont peut-être sous le gêne. Whether they are in this building or outside in their homes. Qu'ils soient dans cette bâtisse ou bien dans leur maison. Some of them may be in the cave, Lord. Certains seraient peut-être dans la cave. But we have realized, oh God. Mais nous avons compris, oh Dieu. You were with Elijah in every station of his life. Tu étais avec Élie à chaque étape de sa vie. You were the God of Elijah. Tu es le Dieu d'Élie. You were with Brother Branham in every station of his life. Tu étais avec Frère Branham dans chaque étape de sa vie. Here we are, Lord, your children. Et nous voici tes enfants. We have raised our hands together. Ils ont levé leurs mains. Myself, I've raised my hands to Lord. Moi-même, j'ai levé mes mains. Father, we need you. Nous avons besoin de toi, in Père. In every station of our life. Dans chaque station de notre vie. Whether we are in the mountain. Que nous soyons dans la sur la montagne. Whether we are under the juniper tree. Qu'on soit sous le gêne. Whether we are in the cave, Lord. Qu'on soit dans la cave. We want to recognize your presence. Nous voulons reconnaître ta présence. We want to recognize your voice. Nous voulons reconnaître ta voix. We want to recognize, Lord, that you are not too far from us. Nous voulons reconnaître que tu n'es pas loin de nous. Give us that blessed assurance, Lord. Donne-nous cette assurance bénie. Come and take away all stubbornness. Viens ôter toute la têtutesse. Come and take away all the pride. Viens ôter tout l'orgueil. Humble our heart, Lord, before you. Humilie nos cœurs devant toi. Teach us, Lord, to learn to listen to that small voice. Enseigne-nous, Seigneur, à apprendre à écouter cette petite douce voix tranquille. Teach us to learn to be more cautious about that voice. Apprends-nous à apprendre comment. To listen to that voice. D'écouter cette voix. Because it operates the power of God in our lives. Parce qu'elle opère la puissance de Dieu. And we all want that power to be operating nous, in our lives. Nous désirons tous avoir cette puissance oh dans notre vie. Oh God, in the name of Jesus Christ. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Listen to our cry this afternoon. Écoute les cris de nos cœurs, ta famille. Grant unto us, O Father. Accorde-nous, Père. According to our faith, Lord. Selon notre foi. We are not looking for the pleasure and the things of this world. Nous ne cherchons pas les choses de ce monde. Father, we want to please you. Mais nous voulons te faire plaisir. We want, Lord, to live a life that pleases you, Lord. Nous voulons vivre une vie qui t'est agréable. Oh God, help us. Aide-nous. Dieu. We need that still small voice. Nous avons besoin de cette petite voix every day, tranquille. Oh God. Aide-nous. Every day, Lord. Chaque jour de notre vie. We want to hear your voice. Nous voulons écouter ta voix. Speak to our heart. Parle à nos cœurs. Of how we should do things, Lord. Comment nous devons faire les choses. Help us, Lord, to humble ourselves. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier. As David said. Comme David dit, the Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. He leadeth me to green pastures. Il me conduit vers les verts pâturages. To still waters. Vers les eaux douces. And Brother Branham said. Et Branham dit, David knew. David savait. That when God was leading at the still waters. Alors que Dieu les conduisait vers les eaux tranquilles et douces. It's that's where he was able to listen to that so small voice. C'est là où il était en mesure d'écouter cette petite douce voix. Lord, here we raise our hands. Ici, nous avons levé nos mains. And praying like David. Priant comme David. Guide us, Lord. Guide-nous, Seigneur. To still waters. Vers les eaux tranquilles. To green pastures. Vers les verts pâturages. Let us hear and listen. That's too small que nous puissions écouter, entendre cette petite douce voix. And help us, oh God, to be obedient to that voice. Aide-nous à être obéissants à cette we voix. We so desperately need you, oh God. Nous avons tellement besoin de ça, Seigneur. Grant it, Father. Accorde-le. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Words are enough. Thank you.
Que Dieu vous bénisse tous. And I wish you a wonderful week. Je vous souhaite une semaine merveilleuse. Listen to that small voice. Écoutez cette petite douce voix tranquille. God stands by you every day. Et Dieu est à côté de vous chaque jour. He said, I'll never leave you. Il a dit, je ne vais jamais vous abandonner. He speaks every day. Et il parle chaque jour. Amen. Amen. Seigneur, c'est le moment. Seigneur. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde.
this is the day. Oh Lord, this is the day. Open. La chair est ouverte. God bless you.